On est d'heureux. Ouais, ouais, oh. Ouais. On est là. C'est ça. MV. Allô. MV. Allô. MV. Allô. Tu m'entends, MV? Allô. Ok, je pense qu'on m'entend. Très bien. Je pense qu'on entend, on entend même beaucoup trop fort pour ce que c'est. Bonjour à tous. Bonjour. Bonne matinée. C'est dur. C'est difficile. Merci à tous d'être ici. Console Mania, deuxième épisode. Avec la suite d'hier, si vous n'étiez pas là hier, sachez que... Voilà, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de très mauvaises choses. C'était mitigé. Il y a eu de très très mauvaises choses, mais on a terminé deux jeux, et on est arrivé au troisième jeu, qui est un jeu choisi par Megeor, qui s'appelle Quackshot. Je vous rappelle le conseil du Console Mania, terminer l'intégralité des jeux d'une plateforme. Ici, la Mega Drive, il y a 769 jeux à terminer. Nous, c'est-à-dire avec Mister MV, inaugurons ce Console Mania cette semaine, parce qu'on est motivé et qu'on aime notre boîte. Oui. Ah, il faut remapper les boutons. Oui, on a remappé les boutons. Ah. J'ai mis le saut sur triangle. Le saut sur triangle, quelle drôle d'idée. Tu me fous la paix, ou quoi? Non, saut croix, tir carré. La base de tous les jeux qui se respectent. Contra 3 et je ne sais encore. Mais c'est pas comme ça dans Super Metroid. Non, mais dans Super Metroid, tu fais ce que tu veux. Les gens pètent les plombs. Mais normalement... Un jeu d'action, en général, sur une configuration avec 4 boutons faciaux, en façade, on a saut sur croix et tir sur carré. Les gens qui se respectent, bien sûr. Moi, je laisse mon saut sur triangle. Saut sur triangle, voilà, regarde. Est-ce que les vous gens comprenez ça? Les gens s'offusquent. Saut sur triangle, c'est la base. Regarde, c'est une flèche du haut, c'est pour le saut. Ou alors je le mets sur la flèche du haut, le saut. Ah oui, comme sur Amiga. Ouais. Justement, voilà, tous les jeux où il faut appuyer en haut pour sauter, c'est de la merde en boîte. C'est bien connu. Tous les jeux de plateforme action sur Amiga, c'était la base. Parce que t'avais le joystick de merde avec le bouton rouge. C'est ça. Et tu faisais vers le haut comme un con. Moi, je le mets pas sur triangle. C'est un banhammer, tout à fait, Gekoui. J'ai mon banhammer, ça va chier. Je peux te bannir à n'importe quel moment. Tu me fais très peur. De la manette. Tu me fais très peur. Alors oui, donc ça c'était pas très bien passé, hein, faut quand même être honnête. Le dernier coup sur Quackshot, il y a eu une démonstration de speedrun de la part de Mister MV. Et bon, j'ai décidé de reprendre la manette parce que ça n'allait pas du tout. Mais on était arrivé en Transylvanie. Oui, et parlons d'Altered Beast et Streets of Rage aussi. Bien sûr. Alors Altered Beast et Streets of Rage, sans toi je n'y serais jamais arrivé. Et voilà. Jamais. Bon. Fais-nous rêver maintenant avec ton saut sur triangle. Mon saut sur triangle. Alors je vais tester le saut sur triangle, en tout cas ça fonctionne. Alors est-ce que tu as mis le tir sur select? Taisez-vous, Mister MV. Mister MV, taisez-vous. Je n'accepterai pas. Alors je vais déjà voir si ça fonctionne quand même. Attendez, parce qu'il me semblait que. Il me semblait qu'il y avait quand même des ambiances. Voilà, il y a des ambiances. Ok, tir, saut, tir, saut, tir, saut. Et ça c'est quoi en fait? Mais c'est vrai que ce bouton là ne sert à rien. Donc, j'avoue, mon mapping, c'est de la merde. Je le concède. Ah ouais, écoute, si tu arrives à t'en sortir avec, c'est très bien. Attends, ça, c'est... C'est un décès. Ça, c'est un décès, ça. Bah, on est quand même chez Dracula Duck. Oh là là. Les marécages sont absolument... Je pensais que c'était... Poussés. Tu sais, j'ai fait le jeu... Rien dire. J'ai fait le jeu 30 fois, mais c'est pas les sables mouvants, en fait. Mais fous-moi la paix, toi. Ce jeu est très difficile d'un point de vue de la gestion des sauts et des distances sur lesquelles vous allez... C'est pas... Mais fous-moi la paix. Pas si simple que ça. Ah bah voilà une vie. C'est ce que nous cherchions. Non. Heureusement qu'on ne prend pas de recul à la con. Patibulaire est en train de te la mettre, hein. À coup de slime. C'est bon, Patibulaire va me redonner de la vie. T'as 3 HP. Je pense que mon saut sur triangle a prouvé. Non non, mon saut sur triangle, c'est ça prouve, hein. Gâche. Ok, apparition dans ma legue. Le saut sur triangle, c'est quand même... Le saut sur triangle approuvé. Non, le saut sur triangle... Petite technique de gueux. Ah, on va bientôt shooter des boules de bubblegum. Il me faudrait tellement... Ah, voilà. Parfait. A blow at the wall, the bubblegum ammo. Je fais ce que je veux déjà. Eh oui, on parle au fantôme, c'est ça qui est bon. Ah, voilà, il te le dit, Dracula Duck, il va te la mettre bien profond. Ça, c'est... Ce n'est qu'une illusion. Ah ok, mais lui... Lui il n'y a pas d'endroit. Lui jamais ne meurt en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'est pas censé y avoir un truc genre passage secret ou... Non, c'est juste... Un gigot peut-être dans le mur. Un gigot d'agneau histoire de détruire le mur comme pour ça. Pour fouetter. Non, ça ne marche pas, Mister MV, ça marche. Ah, je me demande si tu peux pas les niquer avec le popcorn gun.
Ah mais oui, tu as tué ta seule... Non, c'est bon. Je tire plus bas, mais le changement d'arme est vraiment chiant, en fait. De la vie. Non. Alors moi, je me souviens exactement de ce qu'il faut faire, ici. Alors dis-moi. Ah bah non, c'est un spoil. Oh, le mec. Je vais pas spoiler. Mais je me souviens exactement de la carotte pour... Une vie. Ah ouais, non, mais tu vas faire des one-up à l'infini, je vais jamais jouer, quoi. Tu dois regarder un mec sauter avec triangle pendant 2 heures. Mais tu sais pourquoi je fais ça? C'est pour te laisser la place sur soleil. Sache-le, je pense à toi. Je peux pas le... Ok. Alors je vous rappelle, sur le chat, vous n'avez pas le droit de spoiler. Non. Mais moi, je me suis exactement comme on arrive à Dracula Duck. Les souvenirs sont intacts. Ok. Dracula Duck qui, visiblement... Cherche les ennemis. Ah, Landstalker, ça c'est un grand jeu. Landstalker, jeu sublime, même s'il fait péter les plombs. Exactement comme Alundra. D'ailleurs, c'est normal, Alundra est une suite, entre guillemets, un spin-off de Landstalker. Gum. On salue d'ailleurs Canon, qui speedrun Landstalker. Canon qui a speedrunné beaucoup de jeux Mega Drive. La Légende de Thor, World of Illusion et Landstalker. Qu'on peut retrouver d'ailleurs. Oh là 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 là. Sur Gaming Live. Non, faut vraiment que je saute là. Non, parce qu'en fait, tu me dis rien, mais. Oh, en fait, c'est. Il y a une feinte. Pourquoi t'es comme ça, Mister MV? Écoute, je pense que tu devrais utiliser ton bouton triangle pour te petit suicider. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce labyrinthe ne m'aura pas. Fais-moi la paix. Fais-moi la paix. Qu'est-ce que je dois utiliser? Ah, faut peut-être que je passe dans le voile miroir. Alors attends. Ah, Faxanadu, c'est sur NES. Grand jeu également. Non, mais foutez-moi la peau. Mister MV! Mais je trouve que tu fais preuve de non-lucidité. Oh là là! Pourtant. Mais. Tu vas mourir! Ah, mais... C'est dommage d'être si près du but. Et de choisir la solution non lucide pour faire commencer à ce tableau. Mister MV, vous n'avez pas votre mot à dire. Laissez-moi me concentrer. Non, attends, il y a forcément un truc que j'ai raté quelque part. Je te le confirme. Alors, attends, bouge pas. Bon, là déjà, ça se trouve, ça va me redonner des vies à l'infini ici. Mais c'est génial! Je ne peux jamais perdre! Impeccable. Donc peu importe si je décède à l'infini, tout va bien. Donc ça, c'est pas bon. Ça, on s'en fout. J'appuie sur O ici, il n'y a rien qui se passe. Non mais ça, c'est... Ça... Non. Bah alors, non. Et oui, tu ne peux pas stun la tête, semble-t-il. Une fois qu'elle est partie. Il doit y avoir un passage quelque part. J'ai dû manquer de discernement. Bon, faut forcément aller par là. Bon, la paix. Va bien se passer. Attendez. Ok. De la gomme, parfait. Ça, c'était normal, tout était calculé. Je peux pas aller ici. Ah, Castlevania Bloodlines, oui, très bon. J'ai hâte. Ouais, Castlevania Bloodlines, qui est un jeu. D'ailleurs, j'annonce hein, que Monsieur Sapin est viré. Je reprends Castlevania. Ah, Mister MV qui a toujours voulu. Donc, ok, je me suis fait baiser exactement de la même façon qu'avant. Et ça te fait beaucoup rire, j'ai l'impression. Ah non, parce que c'est désolant. Où est le putain de sortie de cette saloperie de pièces de mince? Je pense que voilà. Écoutez, un moment dans la vie... attendez, parce que la vérité, c'est que nous avons des jokers ici. Déjà? Vous avez des jokers. Tu utilises ton joker que tu pourrais avoir pour le Maharaja? Bah oui, mais je ne trouve pas la sortie, je ne me souviens plus. Tu manques de témérité. C'est pour ça que tu ne trouves pas la sortie. Je fais le choix solennel, même si ça ampute d'un joker, Mister MV, d'utiliser mon premier joker. C'est et ce sera l'appel au public. Joker utilisé, appel au public. Comment est-ce que je sors de là, le chat ou Mister MV qui fait partie du chat? Ah, moi je sais. Mais je vais laisser voir ce qu'ils disent. Je vous en prie, allez-y. Ah, Michel Farinet a la bonne réponse, mais bon sang, saute dans ce putain de trou. Saute dans le trou, me disons. Alors ce joker est évidemment à double tranchant, puisque on peut me répondre tout et n'importe quoi. Ah oui.
Le trou, me dit-on, c'est parti. Espérons que ce joker ne sera pas inutile et terriblement mal utilisé. Pourquoi ai-je eu peur? Pourquoi j'ai eu peur? Je viens de je pense que j'ai gaspillé un joker. Ah bah oui. C'est un peu comme le... Voilà, c'est l'appel au public à la question à 150 euros. C'est ridicule. Ouais. Toute la famille est en train de te foutre de ta gueule. Ouais. En dîner de famille. J'avoue. Non, là, c'est limite. C'est limite. Utiliser un joker là-dessus, c'était limite. Mais au moins, je suis sûr de pas perdre une vie comme un mongolito. Le truc, c'est que je peux perdre une vie ici très rapidement. Ah oui. Okay. Oh là là. Non, attends, là, j'ai... Les wall jump. Ouais. Tu sais que Donald peut wall jump comme dans Super Metroid. Non. Il faut évidemment y appliquer une manipulation just frame. Évidemment. Mais n'importe quand, quoi, mais quand, ça mais... Quand Donald remue son boule près du mur, lors des premiers frames, tu peux initier un wall jump latéral. Mais en toute ambiguïté convexe. C'est impossible. Mais non, mais c'est easy. Non, easy. Comment ça, c'est easy? Tu vois quelque chose d'easy là, toi? Bien oui. Mais là. Non. Non, j'ai pas compris. Là. Si tu pars sur la droite quand il est à droite, eh bien. Eh ben, je perds une vie. Mais non, parce que c'est très mal exécuté. Mais vu que le boulet de droite part également sur la droite, la voie est libre pour. Eh bien, oui. Le posage de Fion de l'autre côté. C'est toi, mon boulet de droite. Non, mais s'il te plaît, respecte-toi. Bon, de toute façon, là, tu vas pouvoir s'acquiser à l'infini non, vu bon, que tu as plus de points de vie. Je me refais pas avoir par ce genre de trucs-là. Mais la vie, de toute façon, je l'avais gagnée juste avant, donc c'est pas grave. Je vais me le faire, ce tyrannosif. Oh, ce son. J'espère que vous profitez du son, hein. C'est très très bien. Je peux pas passer en dessous. Pas passer en dessous. Ah, alors. Là, j'y vais, cash. Mais voilà, bah c'est ce qu'on design. En fait, finalement, faut pas se poser de questions dans la vie. Double assisted. Long play. Facile, as-tu lucide. Ça ah, c'est chiant les niveaux dans l'eau. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Alors attends. Oh là là, la foire au bonus. Ça m'est trop facile ce jeu, il va jamais crever. Non, je vais jamais crever car j'ai montré la pire facette de moi-même hier dans Consolemania. Mon pire skill, et là je dois bien avouer qu'avoir mappé en fait le saut sur triangle, ça change tout, est très utile. Alors là je me souviens, et là tu vas regretter d'avoir grillé ton joker si tu manques énormément de lucidité. Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Quoique non, je dis ça mais c'est très simple, c'est très con, c'est convenu. C'est parfait. Retourne pas ce salaud. Non. C'est un connard de merde. Je suis caché, hein. Ah, pas vraiment en fait. Casse-toi. Oh non 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 non. Eh oui, c'était ça. Tu le savais, mais Mister du coup, MV. Tu vas devoir reboot la salle. Non. Bah si, continue. Attends. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde. Espèce de salaud, tu me donnes que les mauvaises indications pour essayer de me niquer. Et tout va bien se passer, Verdier. Je te préviens que je te laisse. T'y es là, t'y es. Je te laisse. Fais pas le con. Fais pas le con, t'y es. Je te laisse tout seul avec Allez, Soleil. Dracula Dunk, bam. Et là, est-ce que j'ai des flammes comme dans Mario? Cette Transylvanie. C'est un trou, ça. Ceci est un trou. Ceci est un trou, oui, quand même. Ah oui, alors attention là, incroyable. Puzzle Mind Game. Puzzle Mind Game, baiserie, non? Baiserie aussi. Heureusement que j'ai tout mappé sur triangle. Hein. Je peux pas mourir. Je peux pas mourir, t'es pas sérieux le jeu, putain. Easy. Ok, toujours tirer les trucs le plus en haut. Ah mais non, mais défonce tout. Ouais, je vais tout défoncer. Faut farmer. Oh, s'il y a un one-up, je me la coupe. Bien sûr. Ah, ils sont capables d'en avoir mis un, les raclures. Ah, un petit poulet. Voilà. Encore.
dash slide. Si tu si t'es à, accro, si t'es accroupi, il peut jamais te baiser. Ok. Saut. Ah oui, bah là, oui. Je me fais baiser, je me fais baiser, je me fais baiser. Hop, 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 tout évité. Ok. Enfin, ça va être encore l'angoisse. Mais non! Ah bah si. Possible, c'est pas possible. Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Moi la paix. Ok. J'en ai plus? Mais si. Mais c'était là, ouais, il fallait. Il peut y en avoir qu'une à l'écran, c'est pour ça. Ok. Je sais pas où je vais alors, du coup. Je suis bloqué là. Je vais faire un loop. Oh là là, j'aime pas ça. Ok, loop. Faute. Loop. Ah. Salutations à BuzzD. C'est le stage de l'angoisse. Je l'ai, je l'ai. Tu l'as? Ok. Et quelle est l'histoire là du coup? Mais je l'ai déjà fait le jeu à l'infini. Comment est-ce que je peux ne pas me souvenir? Ah ça y est, je comprends. Impeccable. Voilà. Voilà. Tout ça n'est qu'anecdotique. Voilà, regardez, ils ont tellement peur de moi et de mon couac. Là, c'est Dracula. Oui. Parfait. Dracula, je sais comment le... Ah, mais il me reste plus beaucoup de vie, en fait. Dracula n'aime pas le popcorn, il faut le oh savoir. Oh là là, il va popcorner. Il arrête. Non, faut pas le toucher comme ça, Dracula. Voilà. Je me suis fait toucher comme un sac à merde. Vas-y, montre-moi ta bite. Easy Fest. Easy Fest. Oh là là, mais c'est tout easy. Easy Fest. Bon, après, il me reste plus que 10 popcorn. Hein. C'est ça. Oh, ce son, mais. T'en balances 5 à chaque fois. Mais parfait. Il est déjà mort, j'en suis sûr. Je crois que c'est 6. 6 coups, ouais. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Foutez-moi la paix. Je peux pas le toucher là? Ah, si, peut-être tirer en l'air comme ça. Vas-y, montre-moi tout. Ah, j'ai plus de tir. Quand je fais MV. Bah, tu switch. Et ça ne lui fait rien. Il me faut du popcorn, il me reste plus qu'une vie, je vais crever. Oh là là. Bah, c'est pas grave. Tu peux utiliser la ventouse à chiottes. Il faut juste du skill. Oh non. Mais appuie en haut. Mais ça fait juste trop mal. C'est de toute évidence le mappage du show sur... Mais non, c'est juste que il n'y a pas les diagonales de reconnu, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est trop dur. Fais pas le fou, fais pas le fou, mec. Ok, je l'ai eu. Ah, salut, c'est fini. J'y arriverai jamais. Je sens que c'est... C'est pas fait pour moi, tout ça. Eh oui, tu m'as spammé. Ouh là 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 là, mais pourquoi faire autant de dangerosité? Voilà, encore pris un coup. Je ne sais pas. Je l'ai tué? Mais c'était plus facile avec la ventouse à chiottes! Eh oui! Tout à fait! Et ça te fait rire! Et ça te fait marrer! C'était plus facile avec la ventouse à chiottes! Et ça le fait marrer! Mais oui, parce que tu sais, vu que tu peux spammer, tu peux lui mettre le double hit. Je l'ai eu. Sweet voilà. Baby. Oh là là, ça, alors là, nouveaux endroits. Voilà, exactement. Maintenant que nous avons débloqué cette partie, nous avons accès à d'autres endroits. Donc, le pôle sud, les Viking Ship et le Marge. Et là, ça commence... Être le début des endroits. Grosse musique, le Maharaja. Mais grosse musique tout le jeu, en fait. Si mes souvenirs sont bons, on doit commencer par le Viking Ship. Peut-être. Viking Ship. Ok. Hey, sweetie. Alors, vous allez voir que ce stage est extra. Ah, il est génial, cette musique. Heureusement que j'ai mappé le saut sur triangle. Et... Pas trop à m'en faire. 3-4. Sweetie. Quack. Ah, patibulaire, c'est ton match-up, hein. Je dois bien avouer que je ne gère pas trop patibulaire. Très bien. Ok,
Oscar, c'est pour le jeu. Enfin, pour la console. Pour 700 jeux, 3 jokers, ça serait vénère. Ouais, j'avoue. Enfin, pas grillé de joker, hein. C'est à chaque fois bon, j'avais 3 jokers pour 700 jeux. J'ai grillé le joker au moment où je devais sauter dans le trou qui était à la fin du tableau. Ce serait terrible quand même. Ah, lucide. Ok, je monte au mât. Ah, la nacelle. C'est bien connu, les Vikings possèdent ce genre de truc là. Je vais bien avoir une petite extend ou pas? Non. Ok. Pas trop confiance en mon skill. Oh, j'ai pas pris mon Actifed. Le stage est pas forcément plus compliqué, c'est ça qui est assez drôle. Ah, les petites poulies. À laquelle? Oh, ça c'est... Oh bah, celle du bas de tout TV. Putain. C'est pas bien de faire ça. Oh, j'ai jamais joué. Mais s'il te plaît, Mister MV. Tu vas jouer à soleil. Tu devrais te réjouir. Ah, il m'a quand même touché. Hein. Oh là là, mais... C'est tir. C'est tir d'une précision. Oh, il y a du popcorn gratos, là. Oh, oui. Le manque de lucidité. Moi, je me... Mais foutez-moi la paix. Ah oui, non, oui. Foutez-moi la paix. C'est bon. Salut. Ah oui, le roi viking, c'est terrible. Oh mais non. Mais oui, parce qu'il y a un fantôme dans les cales. Souviens-toi. Eh oui. Oh, c'est terrible. Il me faut une clé. C'est ça, et je me souviens exactement où on trouve la clé. Il faut une clé, oh là là, mais évidemment, bon. Et c'est chiant. Mais non, c'est les vikings. Hein? C'est les vikings, donc eux, c'est les mecs de la glace. Oui, voilà. Donc on va aller chercher la clé dans la glace. Je pense que c'est logique. Mais la glace chez le Maharaja. La glace chez le Maharaja, évidemment. Tout est logique. Bon, ok, je vais tenter, je vais piffer le Maharaja. Je déteste ce stage. Ça va bien se passer. Je déteste ce stage. Et c'est vrai que là, j'ai manqué de lucidité parce qu'un joker sur ce stage aurait été, à mon avis, utile. Ah, y'a des piments. Ah oui, tu peux infiniser le début. C'est cool. Oh, magnifique. Ouais. Oh non, toujours pas de moins. Encore un. Non, s'il te plaît. Oh là là, tu te fais charmer, c'est pas là. Moi la paix, moi la paix. Mais je peux pas le toucher comme ça. Mais fous-moi le camp. Bon, de toute façon, il y aura un one-up dans deux frames. Je passe en dessous, je passe derrière. Mais je le touche, cette saloperie! Fais-moi la paix. Alors, le chat est déçu. Ah, mais j'ai pas dit que j'aimais pas Soleil. Je sais que le jeu va être bien, donc y a pas de problème. C'est juste que moi, sur Mega Drive, ce qui me fait le plus bander, c'est du RPG bien vénère. Ou... du jeu d'action qui tabasse, action plateforme, pour du Zelda-like, et on préfère se tourner vers la SNES en général. Je me suis fait toucher comme un vieux sac à merde. Et les Zelda-like, c'est pas mon type de jeu préféré, loin de là. Mais est-ce que tu aimes quelque chose, Mister? Mais ça sera rigolo, on pourra doubler tous les personnages, ça va être du schnapp. Ah, je peux quand même... Shining Force, voilà, ça c'est du jeu. Toi, t'es un mec des RPG de toute façon, et du roleplay. Fais beaucoup, beaucoup de roleplay dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que ça? This is the Big Maharaja Palace. Ah, très bien, tu as ton checkpoint. J'y vais. T'as regagné une vie? Je ne sais pas. Peut-être que je joue tellement bien qu'ils m'ont donné une vie. Salut le Maharaja, ça va? Ah, le tigre. Voilà, le tigre dans le jardin. Ah, je déteste ça. C'est là où je crevais tout le temps quand j'étais môme. Tout le temps. En plus, j'ai pas beaucoup de vie. T'aurais pas pu me redonner une vie, quelque chose? Il y avait un téléporteur. Ah, c'est parti pour le petit dédale. Alors, la 5. Tu viens de la 1, elle t'a amené vers la 5. La 1. Si tu prends la 7, te ramènera-t-elle vers la 2? La 1 vers la 5. La 5 vers la 2. Et l'énigme, c'est que si tu divises 8 par la racine carrée de 64, eh bien, tu obtiens la valeur qui... Eh bien, redivisé par un des nombres premiers se trouvant parmi les 5 premiers disponibles,
t'emmènera vers les jardins où le tigre se trouve. Et le tigre ne peut être battu qu'avec le popcorn. Ok. Peut-être que je peux farmer la vie en plus ici. Allez, 5. Et peut-être un passage ici, non? Ah, poulet! Merveilleux. Encore une porte 5, qu'est-ce que ça veut, dire? Ça veut dire que je vais la prendre. Je... 5, 4, 3, 2, 1, c'est peut-être un décompte. Peut-être comme le décompte de ces soirées à la con, où on décompte le nouvel an. Comme celle que l'on a tournée où tu n'étais pas là. Par exemple. Et où je me suis beaucoup amusé. Ah, parfait. Non, je rigole, c'était de la merde. Splat! Le canard qui mange du poulet et mon cul alors. Oh là là, j'aurais dû, je le savais. Moi je vais faire appel à GameFAQ, j'en ai marre de ce labyrinthe à la con. T'es passé par le 2, si t'arrives au 1, c'est le décompte final, the final countdown. Comme le chantait Europe. Ok alors, je vais réessayer. Je pense que tu devrais utiliser un deuxième indice. En fait, t'as le droit à un joker supplémentaire si tu perds de vie volontairement. Ah, je suis retourné au début, je déteste ce putain. C'est bon, sage. Tu avances. Alors, 1. Le 1 qui t'amène au 5. Mais si le 1 amène au 5, qu'en est-il du 8 qui amène au 4? Et est-ce que un 1 qui amène au 5 et un 8 qui amène au 4, 4 étant la moitié de 8, voudrait dire que si on suppute que le 4 emmène au 2, le 2 ramène-t-il au 1? Et est-ce que quand la boucle est bouclée, les jardins se débloquent par esprit de déduction? Supputer? Comment ça, supputer? Eh oui! Comme le subutéo. Est-ce que t'avais des subutéo? Le jeu de foot de tapis où tu mettais des coups d'ongles dans les joueurs. Ah ouais, j'avais ça! C'est trop stylé! Ah! Mon frère avec ça. Je suis perdu comme une mère dans le temple du Maharaja, comme d'habitude. Ah, le subutex, les vraies références. Le subutoké. Je pense que voilà, ça, ça aurait été un meilleur concept. Le concept que j'ai trouvé pour Consolemania, c'est tous les jours un médicament différent. Subutex, Xanax, Laroxyl, Temesta. Et le but, c'est de faire tous les médicaments tous de l'histoire de la vie. Je pense qu'un petit... Ah, j'y suis arrivé, MV. Un petit Sonic 3 sous Valium. C'était mauvaise langue. Non, s'il vous plaît, laissez-moi me concentrer, monsieur. Monsieur, laissez-moi me concentrer. Non, mais j'ai parlé sur MV, moi. S'il vous plaît. Calmez-vous, Mister MV ne peut pas. C'est là. Bah, la 6, évidemment. La 5, la 6. Peut-être que c'est en rapport avec la chanson de Passy. La 1, la 2 m'ont pris dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5 et la 6 en sont des complices. Donc, si on en conclut que Passy... Et peut-être que si on voilà, si on prend Passy, qui est aussi un quartier parisien, Auteuil, Neuilly, Passy, ils sont 3. Donc la 3, la 4, je zappe et je mate. Mais si je zappe la 6, est-ce que je reviens vers la 1? Et si la boucle boucle, est-ce que la boucle est bouclée pour arriver au jardin du tigre? Je ne sais pas, je ne connais que Passy, Palaiseau, moi. S'il te plaît, reste ici. Oui, mon gars. Oui mon gars, c'est ça. Je pense que c'est la bonne. C'est soit celle-là, soit celle-là. Ouais. C'est bon. C'était pas la peine. Pauvre. Ouais, il ne peut être battu qu'au popcorn. Mensonge et honté. Attention. Mensonge et honté. Si mes souvenirs sont bons et que Mister MV n'est pas dissident, c'est les bubblegum. Souvent on l'appelle le tigre. On l'appelle le tigre. Mais t'es pas sérieux. Aïe. Ouais. Ah, il ne peut être touché à la bulle que quand il crache des flammes. Car l'eau bat le feu. Oh, j'ai trop mal, je dois crever comme une merde. Aïe. Ah mais je me souviens, il y a un infini. Je me souviens de l'infini. Ça y est. Aïe. Oh, la faiblesse du joueur. Non, foutez-moi la faiblesse. Ah, aïe. Non, c'est imminent, il est à toi. Continue, t'es sur la bonne voie. Et voilà, t'as le match-up! C'est bon! Ah, c'est un peu le boss à RNG du jeu. C'est bon. C'est bon, j'ai les patterns. Il fait jamais de charge, en fait. C'est vraiment gratuit. Il est mort là? Ah, la gratuité! Mais voilà! Mais il suffisait de trouver le safe spot!
un petit BMK comme le dit très bien Plus dans le chat. Et voilà, cross-up, pas cross-up, j'ai le match-up. Salut. Donne-moi le sphinx. L'arme du sphinx. Merci. La larme du sphinx, qui a comme pouvoir évidemment de transformer en pierre. Donc faut retourner à Duxburg. Ça me paraît évident. Je pense que l'Egypte c'est pas trop mal pour la larme du sphinx. Je sais pas ce que t'en penses. Un esprit de déduction contestable, mais testons. Je pense que c'est pas trop mal. Par contre, je sais pas quel est le connard qui a mappé le saut sur triangle, mais c'est vraiment ma merde. Alors ça, bravo. Ah ouais. Je suis pas content. Et... à la base. Ah, je me suis bloqué. Ah, y a pas de bas plus saut en plus. Obligé de se la taper comme ça. En mode Mario 3. C'est un stage à la Mario 3, ça, totalement. Pompé. De toute façon... c'est un peu comme Mario aussi ce jeu. Ah, c'est exactement comme Mario. On la paie. Ok, donc normalement je peux traverser. Oh là là, les angoisses. Ah, les patibulaires, attention, hein. Ton match-up. C'est bon. Je ne me ferai pas avoir comme une merde, comme un gros gland. Merci mon gars, patibulaire. Oh, mais il est d'une gratuité, je. Patibulaire le poulet, mon gars. Oh, je vais me casser, quoi, j'ai jamais joué. Mais je peux aller à l'intérieur, j'ai. Mais la... pourquoi on n'a pas fait chacun a une vie? Parce que tu dois faire soleil après. Vite, il y a un timer. De quoi? Il y a un timer caché dans ce stage. Le plafond, après, il tombe dessus. S'il te plaît, calme-toi. Pour le moment, c'est plus simple que la première pyramide qui était vraiment de la merde. Et oui, voilà, grâce au dash spay. Voilà, là, on est... là, le saut fonctionne, donc déjà, c'est agréable. Forcément encore une... C'est qui qui a mappé les boutons, là? C'est... non, mais c'est Verdier. C'est moi. Il a décidé que triangle, c'était un bouton naturel pour le saut. J'ai pas décidé que ce serait un bouton naturel pour le saut, c'est juste pour éviter que mes deux boutons changent, pour ne pas... voilà, tu m'as compris. Non. Ton argumentaire plus, quoi. Mon argumentaire... non, faut... aïe! Pas le temps, faut y aller. Le dash spin. Oh là là, c'est tu sautes et tu prends. Oh, y a une couille. Ah, c'est marrant, y a un interlude alors qu'il y a aucun danger. Il y avait une cache. Y a aucun danger, ça se voit que c'est pas toi qui joues. Ouais, non, mais après, y avait eux. Mais au moment où tu slidais sous les pics. Ces hommes flammes semblent particulièrement mécontents de. Oh là là, je déteste ces moments. C'est comme les fantômes dans Mario. Ok, bon, bah, de toute façon, tant qu'à faire, autant traverser. Hein. Non. Moi la paix. Ah, il y a une course de minecart trop stylée en Égypte. Et hommage Indiana Jones. Oh oui. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Le just frame. Oh bon, celui-là il est imbloquable. Tu le prends ou tu... Zbla. Merci pour la vie. Et pourquoi t'es pas remonté? Bah tu peux remonter du coup, tu sais qu'il y a le passage secret. Ouais. Mais par le mur, bordel. Oh là là, c'est impossible d'éviter ça. Tu peux passer à travers le mur, fallait remonter direct en ventouse. Je préfère passer par là. Je trouve le coin beaucoup plus safe. En plus j'aime bien visiter je suis jamais allé en Égypte. Et c'est un peu un des buts de ma vie. Oh, c'est terrible. Alors attends. Envoyez-moi en Égypte en reportage bien sûr. Regardez, là je ne vais plus le reprendre. La lucidité d'un homme. C'est vrai que j'aurais pu remonter, hein. Je suis vraiment trop con. Tu vas retomber, ça va être fantastique. Non, car j'ai tout prévu. Regardez, je sais que, par exemple ici... ah ouais, mais non, mais là je risque en fait vraiment ma vie. Mais non. Ah, est-ce qu'il va prendre le troisième? Ah, magnifique. Ok, où est-ce que... bah, c'est simple. Il est délimité. Non, faut pas sauter. Faire voilà, ça il faut faire et ça, remonter. Et voilà. Et ensuite changer de côté. Voilà. Impeccable. La lucidité. Parfait. Ah. Nickel. Est-ce qu'il y a un boss, une connerie, une... oh là là, j'aime pas ça. MV, j'aime pas ça. Un petit peu de plateforme. Ah bah si t'es solide sur ton triangle, easy. C'était vraiment la bonne idée. Triangle. C'est un essai. Pas de panique. On apprend de ses erreurs. Non mais c'est vraiment... oh là là.
Merci. Incroyable. Ouh, la belle prise. Évidemment, tout se casse la gueule, sinon ce serait pas drôle. Je déteste ça, je déteste ça, je déteste ça. Non ! Ah, formidable ! Il est 12h37, on fait quoi ? C'est à ton tour. Ok. Je vais faire une pause. Bon, je vais remapper. Ouais. Mais non, mais bouton sur triangle, respecte mon saut. Non, non, vas-y, map, comme ça tu finis le jeu, quoi. Eh non mais... Non mais hey, c'est ce que tu disais hier, mais il a perdu plus de vie que moi. Donc alors, foutez-moi mec, la paix. T'as vu la gueule de ton saut, mais le saut il est sur quoi? Sur B? Hein? Le tir normalement dans le jeu il est sur A, C... Le saut est sur C. Non, le saut est sur C? Mais bien sûr, le saut est sur C de base. D'accord. Et le tir sur B? Et le tir sur B. Et A c'est validé dans les menus. D'accord. Ah mais tu mets saut sur... C'est bon. Saut et... Ça on s'en fout. Je refuse qu'on insulte mon skill. Alors d'accord, ok, allez-y, continuez d'insulter mon skill. On va voir si Monsieur MV s'en sort mieux que moi. Le grand speedrunner Monsieur MV, vous attends, savez... Attends, je regarde parce que je suis sûr que c'est la baiserie. Ah, saute. Ah, on est bien. Ah oui, mais non, mais il y a un dash. C'est vrai que t'as le dash que tu utilises jamais. Tu m'appelles dash. Qui est sur l'autre bouton. Ce qui sert à rien, il y a la glissade dans le jeu. Ouais, mais ça te permet de faire des sauts plus stylés. Tu te rends compte comment t'es en train de jouer là? Oui, non, mais c'est pour le dash, sinon je joue comme ça. Moi j'aurais mappé le saut sur Select si j'étais toi. Mister MV dans la pyramide. Alors on te fait confiance, hein, évidemment, pour. Oh là! Il m'a vu faire, c'est pour ça. Ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas, ton mappage. On est bien. Ton mappage est clair. Au chocolat. Attention quand même. Mais tu as vu tous les pièges. Bah monte pendant. Bah oui, évidemment. Monte par le passage secret. Évidemment. J'ai pas le temps maintenant. Ouais. C'est tellement de la triche. Le poulet ne sera d'aucune utilité si tu tombes dans le vide. Oh, il y a un plink. Il y a des plinks. Faut sauter et tirer en même temps. Bon alors ça, je veux dire, qui meurt ici? Je vais crever comme un caca maintenant que je l'ai dit. Ça passe à l'aise. Moi, j'aurais pas tenté comme ça. Il y a trop de speedrun. Mais forcément, à un moment, ça va pas passer, MV. Voilà! Je suis lucide, je suis serein. Et de une vie. Easy. Non, plus que deux en fait. Ce jeu, quand il s'est marqué 1, c'est que t'es sur ta dernière vie en fait. Ah bah voilà. Et le Mais comment ça? Attends, je vais te dire. Non, moi écoutez. Attends. Donne la manette à Mister MV, ça va aller beaucoup mieux. Attends. Je vais tester un truc. Ah, je peux pas cancel le dash avec un tir de balai à chiottes. Avec un saut. Ah bah voilà. Ok, c'est bon. Moi, je suis désolé, mais ce console mania... Maintenant, c'est bon, je termine. Bah après, tu es safe, car nous sommes sur la chaîne Retro 1D. Le console mania, ça n'est pas du super play. C'est pas du power play. Ça n'est pas du super play. Tu as le droit de montrer que tu es faible. Tu as des faiblesses. C'est ça. Je suis un map tout fragile, quoi. C'est ça. Non, mais regarde, maintenant que j'ai compris ça... Saut neutre, on s'en fout de prendre du dommage. Easy. Ah, c'est lucide. Prendre des dommages pour anticiper là où tu dois aller. Je l'ai fait plusieurs fois. Bien joué ça. Oh la connerie, oh la baiserie. Cela dit, je ne suis jamais arrivé jusqu'ici. Et je pense que c'est bon. Mais il a laissé deux vies comme moi. Ouais, j'en ai pris trois d'artos. Non, il a laissé deux vies comme moi. J'ai fait la moitié du game. J'ai battu... Oh là, j'ai battu le tigre. Tu peux dasher, hein. C'est ah toi oui, même voilà, qui l'a dit. J'ai oublié ce putain de dash. Tu l'as dit toi-même. Oh, mais ouais, le dash il est ridicule. Mais c'est plus facile quand tu. Ah, mais il marche bien sur ses pentes. De faire des conseils comme ça. C'est tellement fluide quand on fait des sauts comme ça là. Je parie que t'as mis le stream en 60 FPS. Bien sûr, oh, mais évidemment. Quel sac. Évidemment. Il y en a que 3 en coup. Non, 60 FPS le jeu, tu es fou. C'est 60 Hz, c'est 60 frames par seconde. C'est très très. Putain, ce MV. J'en étais sûr. Oh là. Un homme qui sait. Ah oui, là faut aller vite. Ah merde, il y a cette histoire de bloc, je sais plus quelle heure c'est pas là.
C'est ça, c'est lequel? C'est là? Tu vas croire, le soleil. Soleil pliant, plume, plante. Ah bah oui, fallait se souvenir de l'énigme, j'avais complètement oublié ça. Bon, à toi. Mais oui, il y a l'énigme, faut se souvenir des stèles de merde. Ah, je me suis bien fait baiser. Ah mais du coup, tu peux te retaper la plateforme. Donc on est bien, il y a du challenge. Non, il n'y a pas du challenge parce que tu m'as complètement démappé tous mes boutons. Non mais tu vas voir que c'est instinctif. Parce que tu fais, regarde. Ici saut, suivi de ça, attaque. Et tu peux grimper les murs extrêmement vite. Le pouce activant les deux boutons. Mais non, croix carré. Oh non, c'est de la merde. Croix carré. Mais c'est vraiment de la merde. T'as jamais joué à des jeux de plateforme sur SNES? Non, c'est de la merde, regarde, j'y arrive pas. Mais si. Mais non, les jeux de plateforme sur SNES, c'est pas ça du tout. Mais non, faut. C'est croix. Ils sont tous comme ça. C'est croix. Mais c'est croix et rond, t'as jamais joué à Donkey Kong? Tu utilises pas. Mais bien. Mais c'est A et B, c'est côte à côte. C'est fait par des Américains qui sont. Oh là là, mais c'est côte à côte depuis le 1. A et B, c'est sauter, tirer depuis le 1. Les deux boutons du haut, c'est des boutons qui n'existent pas dans la vraie vie. Mega Man X, Contra, bordel. Ouais, les jeux qui ont le seul mapping les plus bizarres de l'histoire, quoi. Tous les jeux Disney, d'ailleurs. Mickey Magical Quest, tout ça. Je suis contre. Avec dans quel jeu on saute avec triangle, bordel? Dans mes jeux à moi. C'est la mauvaise foi. Dans les véritables bons jeux. Alors là, il m'a changé tout mon mapping. Mais regarde, t'es solide. Oh, la lucidité d'un homme. Il m'a changé tout mon mapping, du coup, ça devient très compliqué. Mais rassurez-vous, hein, même si Mister MV essaye de torpiller mon run, je vais y arriver. Je me ferai pas avoir. Voilà, solide. T'as appris la technique du stand jump, le stand fierce. Ah là, par contre, c'est la baiserie. Hein. Faut pas hésiter à se faire toucher. Ah bien, oh là là, Verdier solide. Tu vois, okay. Le mapping, tranquille. Bah une fois que tu vois, tu sais, mais c'est compliqué. C'est où courir du coup? C'est rond. Ah ouais, mais non, ça c'est compliqué. Mais non, mais c'est easy parce que t'as pas à sauter, t'as juste qu'à courir en fait. Je cours. Quoi qu'en schnapps. Foutez-moi la paix. Ah, puis là, il y a encore le. Ah, il y a encore son truc de. Et voilà, Pelink. Easy. Bon, allez, j'y arrive. J'arrive parce que j'ai une faculté d'adaptation hors du commun. J'ai jamais aussi bien performé qu'avec ce mapping. Hein. Mais évidemment, j'ai vu tout ce que Mister MV a fait juste avant. Ah. C'est beaucoup plus simple. Et là, t'y es. Par contre, l'énigme, je sais plus. Ah, on laisse appuyer à droite, hein, solide. Ok. Donc là, pour l'énigme, il y a possibilité d'utiliser Safe State. Est-ce que tu crois que c'est lucide? Ah, mais non, on va le trouver. Mais après, on recommence pas depuis le début non, de la pyramide. Non, je crois que si tu meurs là, tant que c'est pas game over, tu te refais l'énigme. Donc, j'ai activé le premier, c'était bon, c'était le soleil, c'est ça ou je sais pas quoi. Lune. La lune. Activer la lune, d'être un cycle à la bite. Très bien. Allez, lucide. Mais faut sauter dessus, je crois, sinon c'est. Ah non, même pas. L'étoile. Ah, c'est l'étoile, mais ils t'ont baisé. Fallait bien se mettre. Oh, j'étais quand même dessus, hein. T'aurais pu te cacher à gauche. Fallait bien se mettre. Non, non, en fait, c'est une fausse cache, ça ne marche pas. Ah non! Ah c'est. Non, il y a un indice, il y a un truc qui dit l'ordre exact parce que tu peux tous les activer et avoir tort! À moins que ça soit juste. Faire tomber les 4, mais j'en doute. Je crois qu'il y a un bout de papier qui te dit dans les indices quand tu fais look. Ouais, les mecs disent faut lire les runes, comme dans The Immortal. Bon, dans The Immortal ça se passe mal quand tu lis les runes. Ah, mais t'as un parchemin! Utilise-le! Voilà, soleil, lune, étoile. Oh, j'avais oublié, bah je croyais qu'on l'avait pas. Verdier, c'est toi qui l'as farmé et tu le regardes même pas. Allez, vas-y, soleil, c'est bon, soleil, lune, étoile. Soleil, lune, étoile. Et voilà. Parfait. Oh bah merde, alors si j'avais... bah oui. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Alors attends, parce que oh, ça... Oh oui. Le sceptre de Ra. Ha! C'est bon. C'est grâce à moi encore. Ah, faut ladder cancel comme Megaman. Non, j'arrive pas. Si, regarde. Tu peux ladder cancel, voilà. J'espère que c'est parti. Oh là là. J'espère que ça sert à rien et qu'il n'y a pas. Ma vie n'est pas en jeu, j'espère. Est-ce que ma vie est en jeu? Easy. Mais non, mais c'est. Voilà. Ouh! Parce que t'as pas le droit d'aller sur les rails, hein. Ma vie est en jeu en fait. C'est juste. Oh là 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 là. C'est spectaculaire. Mais parce que il y a un changement de référentiel si tu veux. Et c'est pas facile. Donc spectre de rat, qu'est-ce que j'en fais?
Le sceptre de race le servira plus tard à Duxburg. Je m'en souviens. Non mais le sceptre de race, c'est simple. Pôle Sud, allons-y. Ah quoi que non, Pôle Sud. Ah, parce que Pôle Sud, à un moment, t'as besoin de la ventouse verte. Mais je sais pas si, je sais pas si Dumbo te l'offre juste avant. Ou si ça se passe là où tu dois la farmer ailleurs. Mais bordel, et ces putains de mapping à la con MV. Mec, t'as jamais assez. Mais mec, t'as cartonné juste avant. C'est plus le mapping là. C'est pas tibulaire, c'est ton match-up, ça c'est connu. Non, c'est le mapping. Bah, il se calme lui. Oh, regarde, tu dois courir ici et aller tirer sur le shot là-bas. Mister MV, vous êtes fou. Je mets directement le saut sur Select. Ok, donc là-dessus, normalement... Allez, freestyle. Ah, oh, mais non, t'as pas freestyle là. Non, non, parce que moi, je suis un mec de la safe-itude, tu vois. Non, mais foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Ah, c'est les ambiances de Noël. J'avoue. Joyeux Noël, d'ailleurs. Les aurores boréales. Oh oui. C'est de la merde. C'est officiellement de la merde. C'était presque splendide. C'était plan splendide à 20%. Qu'est-ce que je fais là? Mais t'y vas et c'est tout. Ah, voilà. La clé... qui est dans un glaçon. Voilà, voilà mon sceptre de rat et le Viking Key. Et à droite? À droite? Légèrement à droite. Il y a un autre écran. Non. Merci. Comment ça si? Regarde. Retourne-y. Le problème, c'est que je pense qu'on va pas te la donner direct, donc faudra revenir plus tard. Mais regarde, va à droite. Ah oui, parce que ça, si je te l'avais pas dit, tu l'aurais jamais su. Attends. Non, Dago n'est pas là. C'est bon. Ok, et la ventouse verte permet de s'accrocher au Scrab jusqu'au bout. C'est ça, comme ça. On est bientôt à la fin du jeu, les gens. Hein. Allez, Bloodlines, il est stylé, Bloodlines. Il est bien, bien dur. Ah ouais? Mais on l'avait fait, pour un défi pour un streamer, donc je l'ai terminé. Pour un défi nativement. Défi pour un streamer, c'était une petite compète qu'on faisait à l'époque de race où t'avais une semaine pour apprendre le jeu. Très cool. Tu vois, j'arrive pas à la. Ah, c'est ça y est. J'arrivais pas à la door cancel avant. Ok, bon. Je pense que mon efficacité n'est plus à prouver. Oh, évidemment, c'est ce tir-là. Le contrat Mega Drive, là, Hard Corps, il est bien dur. Je l'ai pas fait. Ok, je me casse. Mais non, mais non! Oui, Dio, ouais, c'est pas d'un mot, mais... Je me demande si c'est pas là. C'est le Viking, c'est le roi Viking qui te donne la ventouse verte. Je m'en souviens, après que t'aies abattu le putain de spectre. Le putain de spectre. Monte. Monte, Donald. Je t'en souviens. Ah, Loukoum qui demande pourquoi pas mettre un timer par jeu. C'est vrai. Non, que c'est... je pense que c'est une mauvaise idée en fait. Oh, c'est rigolo. Ouais, non, ça a pas trop d'intérêt parce que le but c'est pas de speedrunner, c'est de terminer tout ça. Oui, mais c'est une indication. Le mec qui passait 11 heures sur son jeu de bagnole à péter un pont, c'était parfait. Bah oui, mais évidemment, c'est sûr que ça peut être intéressant, mais je sais pas. Je trouve pas que c'est pertinent déjà qu'on copie honteusement le concept de The Mexican Runner. C'est moi, je suis retourné au début comme une merde. Non, non. Non, non, non. Moi, je sais. J'allais faire pipi. Ah bah, 12h50. Ah bah, le CPM, vertier. Non, mais attends, j'ai encore un peu de temps. Bah. J'ai encore le temps avant le CPM. Regardez, Mister MV va faire pipi. Oh, moi, je vais faire pipi. Voilà, c'est tout. Parce que moi je vais faire pipi sans déconner. Mon pipi est un peu un test pour voir si quand je reviens tu auras tout réglé. Porte quoi. C'est incroyable comment vous me faites pas confiance alors qu'en fait je m'en sors mieux que Mister MV. Je suis arrivé ici alors que lui a fait que de la merde. Et ça, je trouve ça honteux. Ok. Ok, je peux détruire ça. D'accord, ça c'est une information. C'est une information. Ok. Ladder cancel. Voilà, parfait. Ok, j'ai vu la porte. Mais je sais que je ne dois pas aller dans cette porte parce que j'ai un passage secret là, non? Tu crois? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de vie pour affronter un éventuel. Oh là là, oh là là. Fous-moi la paix. Oups. Et...
Mais y a un truc, faut... Non. Ok, je crois que je comprends pas comment lui faire du DP. Tu crois que je lui fais des dégâts là, en le ventousant comme ça? Je sais pas si je lui fais des dégâts en fait, je sais que je l'immobilise, ça paraît à peu près clair, étant donné qu'il a le même safe spot que l'autre machin, mais... Ah oui, d'accord. Est-ce que je lui fais mal, bordel? Ouais, j'ai quasiment tout essayé. Mais est-ce que je lui fais mal? Ah, je touche la tête. Voilà, ça y est. Je fais tomber la tête et ensuite voilà. Je tire dans la tête. J'ai besoin de personne. Parfait. Ça, si vous voulez. Frédérico, vous êtes vraiment extrêmement dissident. Voilà. Et il va nous donner cette ventouse verte. Parfait. Je tiens quand même à signaler que Frédérico est toujours en train de le critiquer. Je sais que c'est un sport national sur Gaming Live. Mais en attendant. Bon, allez, non, mais joue, c'est chiant. Non, mais. Easy. Regarde, là, tu sais où aller. Et c'est qui l'a dit? C'est Bibi. C'est Bibi qui t'a dit où aller. C'est pas des conneries. Mais on compte sur ton exé qui est devenu bien meilleur depuis que tu utilises un mapping qui a du sens. C'est tellement vrai. Allez, go. Ah, attention, là c'est tendu. Dernière vie. Vole au-dessus d'un nid de coucou. Mais non. Fais-moi rêver, fais-moi rêver. C'est tellement beau. Non. Ah, King's Bounty, Charlie Chan, excellent jeu. Je suis lucide, je crois. Mais non! Mais comment fait-on? Et tu sautes! Eh oui! Tu sautes et tu re-rattrapes ta ventouse. Ah! Bon, on fait voilà, peut-être la pause. J'ai tout fait pour que Mister M aille là. Pub! Première pub de ce Console Mania. Et on se retrouve après 5 minutes de CPM parce que... Merci le chat de me soutenir. C'est vraiment gentil. Ah. Bon, là... J'ai fait quasiment tous les boss du jeu, à part tomber dans les trous, Mister MV n'a servi à rien. Mais rassurez-vous, il va terminer le jeu, comme ça ce sera lui qui l'aura fini, et Frédérico pourra se nourrir de mon guac. À mort. Pub, on se revoit dans 5 minutes. Des bisous. Continue, hein, c'était très bien. Etc. quoi. Bon, continuons, j'ai perdu, game over, il y a beaucoup de game over, hein. Normalement faut one créditer le jeu. Ah, faut one CC, ah ouais, bah si on doit one CC, non, il n'y a aucune raison, hein. Si le jeu ça donne, va être long. Si le jeu donne continue infini, il n'y a aucune embrouille. Hein. En plus, il y a beaucoup d'endroits pour farmer les vies, et on l'a pas fait dans le jeu. Mais on pourrait refaire certains stages pour farmer les vies à l'infini. Hein. Donc je te rappelle, Pôle Nord, tu m'as indiqué l'endroit, maintenant c'est à toi de réellement... Oh là là, le con! Ça glisse, Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bah oui, j'avais oublié que qu'on était dans le niveau là. Je suis serein, hein, je suis lucide. Ah mais on peut le diriger. Ah, on peut le diriger. C'est ça que j'ai pas saisi en fait. Tu as omis ce détail. Ouais, j'ai omis ce détail, mais tu as omis de m'en parler. Ah mais j'ai oublié. Mais moi je m'en souvenais. Je croyais qu'il fallait sauter du skill. Oh putain. Ah, je crois que j'étais jeune, je suis jamais arrivé. Hitbox permissive. À 8 ans, j'ai jamais battu le tigre. Ouais, c'est pas mal. Oh, ils sont gratos. Faut juste pas être dans leur ligne. Ouais, en fait, fallait pas sauter. C'était encore une indication de merde. Ah, bah si, regarde, je vais te montrer à la fin. Vas-y, saute. Non, quand ça sera safe. Saute, vas-y, saute. Hop, et voilà. Ouais, sauter, c'est tomber. Quel saligo. Oh là là, mais le jeu est vénèrement beau. Hein. Ça, mais, les parallaxes. Ouais. Les parallaxes. Attends, il y a des orques. Non, il y a sauvé Willy, je crois. Oh là là, il est... Allez, en dashant, voilà. Y a pas le temps. Le problème, c'est que je vais mourir, mais moi, je suis un mec qui a pas le temps, donc je vais non, dasher. Non, c'est impressionnant. Pour le moment, c'est bon, pas mal ce que on tu dash, fais. On dash, j'ai pas le temps. Je pense que t'as raison, il fallait y aller sans retenue. Oui. Oui. Oui, Willy. Non. Oh là 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 là, tellement. D'accord, ok.
Nesblog vous présente Speed Game Quackshot avec Mr. MV. Mais t'es un mec de Scrudge, de Scrudge et de Donald, pourquoi tu le speedrun pas le GameU? Ah, fallait pas tomber là. Mais si. Bonus. Ouais, elles sont infinies maintenant les trucs, hein. Elles sortiront jamais. Hein. Ah bah si quand même. Ah oui, alors là c'est chiant. Ah merde. Ah bah très bien. Toi t'aimes bien tous les bonus de la Terre. Non, parce que là il faut déglinguer tous les glaçons avec le bubble gum jusqu'à trouver cette putain de truc à trouver. Hommage à des Gringus. Alors attention, je vais essayer de piffer la bonne dès le début. Lucidité. Alors comment je fais là? Ah bah oui. Bien joué. C'était la bonne dès le début. Oh, lui il est tellement casse-couille. Ah oui, en plus on peut pas le repousser. Bah peut-être avec la ventouse verte maintenant. Non, je crois que c'est plus une histoire de pop-corneux. Non mais c'est pas grave, on va lever ski. Oh là là, quelle esquive. Ah mais il y en a ici, puis il y a les phoques, il y a tout ça. Ok. Oh, le jeu commence à ramer. Hein. Mais les prismes, tu peux les casser ou pas? Celles qui sont mauves. Oui, je crois. Alors... Attention, je vais essayer de me souvenir où se trouve le trésor. Je pense que c'est pas là. Il doit y avoir un amas énorme de conneries à un moment. Ça glisse en attendant. Alice, ça glisse. Room service. Ah, les... Regardez ça, voilà. Les sandwichs de Trunks. Ah, c'est là. C'est dans ce merdier. Club sandwich servi par Trunks, hein, quand on même. On peut pas les défoncer. Mesdames et messieurs, c'est quand même extraordinaire. Bon, écoute, Mr. MV, pendant que oui. Tu passes un moment agréable vers ce jeu... C'est là. Fais pas le fou, c'est là. C'est dans ce merdier. Bubblegum. Tu peux appuyer en haut et tirer. Ah, mais si t'as pas assez de bubblegum, c'est là... Ah bah, on voit où il est, de toute façon. Il est au centre. Ah bah, quoique, non, je peux pas défoncer les... Non, je peux pas défoncer les violets. C'est là. C'est là-dedans, bordel. Ah voilà. Le journal du viking. Bien joué. Je sais plus à quoi il sert. Bah lis-le. Bon allez, laissez-moi partir. Tu peux pas le lire? Si, mais ça m'énerve. Ah, il fait pas... C'est trop sombre pour lire, le bouquin. Attention, hein, triple A. N'importe quoi. C'est trop sombre pour lire. Le jeu, il est stylé. Merde. Non. Ah oui, d'accord. Porté, Mr. MV, tu bulles beaucoup trop. Porté à la con. Ah, Mr. MV. Et on peut appeler l'airplane d'ici. Non, ils m'ont fait une... Oh non, ils m'ont mis une entourloupe poumène. Faut backdasher. Et pourquoi est-ce que tu tiens... Oh, ils me remettent du bubblegum. C'est craqué. Tiens, tant que ça a tombé. Hein. Attends, s'ils m'en mettent du... Ah oui, c'est vrai, Patty Buller. Oh là 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 là. Ici, et Lulu, il veut qu'on donne la carte au trésor et le journal. Ah oui, là, on arrive quand même à une phase scénaristique terrible. Et donc, tu lui as donné. Eh oui, nous sommes désolés, oncle Donald. Retournons à l'avion et chassons Pete. Ah oui, d'accord, on en est déjà là. Ouais, ça sent la fin quand même. Waouh, on va déjà à la cachette. Ça sent la fin, ce qui est terrible parce que j'ai fait tout le jeu et finalement c'est toi qui vas tirer tous les mérites. Ben c'est ça. Non mais attention, ici c'est pas gratuit. Hein. Ah j'avoue. Il y a des carottes, des précipices démoniaques. Ah oui, merde, oui, trop tard. Je dois m'en servir, c'est pas grave. Trop tard, il faut attendre. Il y a son frère. Respawn un peu comme son frère qui est également son père. Oui. Son frère qui est également son père. Ah, oula, mollo les ruches. C'est un peu le shoot them up sans le shoot. Il y a que le them up. Ah oui, on peut. Ça c'est le maximum de bas où je peux aller. Attention, hein, faut pas se faire avoir. Il est tellement stylé Donald quand il s'accroche comme ça. Vas-tu chuter? Tu choisis de chuter et les piranhas. Ah oui, bah oui, faut pas faire le fou. Oh là là. Fait penser un peu au... Oh, je dashais, j'ai ressauté, il a pas sauté. Bon, ma bite. Ah, ça c'est bête. Ça c'est ballot. Là, Mr. MV... Faute. Ah, faute. Ouais. Et il m'enlève deux cœurs. Ah oui, non. Non, là, là, oh là, là. Oh, ça y est. Le skill est en baisse. Après un magnifique stage de glace. De la merde en boîte. Tu as pris un petit look de dégâts. Mais nous avons confiance en toi. Merci Monsieur Sapin, vous pouvez avoir la liste des jeux, donc voyez juste en bas, vous avez un petit bandeau déroulant qui vous indique à la fois la possibilité d'être joker, on en a utilisé un dans ce jeu parce que je voulais pas perdre une vie bêtement, vous avez aussi eh bien, le fait qu'on vous rappelle qu'il faut pas spoiler les jeux même si on est très concentré sur le game U et moins sur le chat. Je vais pas y aller en speedrun vu qu'il m'a mis une phase. Mais je sens que la fin approche. Et qu'on va pouvoir lancer la tombola. Non ! Oh, cette Indiana Jones du pauvre.
Bien joué. Bien joué, ils se sont dit on a fait des animations de serpents, oh, on va en foutre partout. Ah oui, non mais j'avais oublié que c'était aussi peu play. Bien joué. Il y a le deuxième. Ah, je l'ai Oh, je croyais que je l'avais fait des pop. Oh non. Oh non, mais je vais mourir de décès. Ah non, je refuse. T'étais cru dans DuckTales à faire dépoper les blocs. Oh, je suis déçu. Non, moi, on est vraiment avec toi. Oh, je vais mourir de décès. Regardez ce décor vert. Mais là, c'est pas gratuit. Hein. Un peu shiny, hein. Il y en a quand même un qui dit t'as hâte de jouer au soleil. Oui, bah c'est ça, Mister MV veut se dépêcher pour jouer à soleil. Bah mais oui. Je t'assure que Mister MV, si tu ne termines pas le jeu alors que je t'ai tout mâché le travail... Quoi? Tu fais soleil tout seul. Très... Ah oui, non, mais oui, bien sûr. Comment ça, non, mais oui, bien sûr. Ah, quand même. Alors, là, vous voyez, là, je connais très bien Mister MV, il est en train de prendre goût au console mania. Il va pas le laisser à Mister Sapin, il va faire... écoutez, moi je suis castor populaire. Oh sa mère la chauve en string. Oh là là. Ça peut le faire, ça peut le faire. Il y avait tout, il y avait les one-up et les gigots, mais quel sac. Gars. Il y avait les poulets. Mauvais. Gars mauvais, c'est ça. Ah, bon à toi, moi je vais me twitcher, hein. J'ai aucun scrupule à twitcher. Alors que j'étais plein de soutien pour toi. Ok, bon. Bon appétit et bonne chance. Suite à l'erreur de Mister MV, je vais essayer un peu de rattraper tout ce bordel parce qu'à un moment, il faut quand même aller au bout des choses. Ok. Tiens, j'ai un problème pour cet attrapage de poulies. Ah, t'es bien là. Ouais. On va quand même pas faire le dingue et attendre le prochain. Viens ici, toi, mon coco. Ah, merci. Merci à vous. Ok, donc on peut vraiment. Je devrais me mettre hors caméra pour manger mon Twitch. Non, non, non. Respectons les gens et donnons leur faim parce que le principe, quand même. Tu crois qu'ils se mettent hors stream pour manger leur truc de midi à 14h? Non, ils mangent sur notre gueule. Donc je pense qu'il est utile de faire de même. Ah, je serais bien allé au Libanais craquer et prendre un falafel. C'est vrai. Mais pour ta carte de. Pour ta carte de. Ma carte de fidélité quand même. Ok, bon, là je passe à fond. Pas de problème. Ou presque pas. Là c'est pas grave. Take bon. Damage. Ah bah t'es lucide là, tu vas pas louper la poulie. Toi t'es un vrai, voilà. La poulie. Et là il y a une vie. Par contre il y a un moment. Ah non, c'est bon. Parfait. On est déjà là. Ah oui, d'accord. L'angoisse. L'angoisse. Comment? L'angoisse. Oui, 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 sniff, sniff. Cette musique est trop stylée. J'ai peur. J'ai peur, il y a un moment. Il y a forcément quelque chose. Non, c'est bon. Impeccable. Ah, il y a les trucs avec. Voilà, ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Ah, bah c'est très simple, voilà. Ok. Alors, faut savoir qu'il y a des plateformes et il y a des pas plateformes en fait. Ouais. Oh là là. Mais tu fais le relais au milieu, tu sautes quand elles repartent. GG. Oh là là, mais c'est impossible. Mais si, saute plus tard. Saute plus tôt. Oh là là. Voilà. Quand elle repart, tu sautes. Parfait. Et là, je vais. Ah, mais maintenant, t'as plus le visuel en bas. C'est peut-être pas sans parcelle du bas. C'est bien. C'est très bien. Mais si. Non, mais ça, c'est quand t'as des balls. Tu sautes d'en haut. Très, très et bien. Et t'improvises. C'est très, très bien le jeu. Hein. C'est. Oh là là. Là en haut. T'es bien. Je suis lucide pour le moment. Ok, là d'après vous, faut aller où? À gauche, il y a du stuff à mon avis. Ok, il y a les conseils de Mister. Oh! Mais j'ai affiché le scrolling un peu mieux. Voilà. Nickel. C'est gratuit. Non, MV, arrête de dire. Ah! Il y a un endroit en haut et un en bas. À mon avis, en haut, il y a le stuff. Arrête de dire c'est gratuit, c'est pas gratuit. Toujours respecter le jeu. Saute! Oui! Oh, un move magique! Non, tout est calculé. Oh, cette panique absolue. Tout est calculé. Ce que tu ne peux pas comprendre, Mister MV, c'est que tout est calculé. C'est juste le truc le plus impossible de l'histoire, je pense. C'est juste le truc le plus insupportable de l'histoire. Non, mais des easy, vidéo. Voilà! Et là, t'as le stuff! Ah non, c'est un checkpoint! J'ai pas confiance en moi. Ah, t'étais bon.
J'ai pas confiance en moi. Ok, de la merde. Oh, vraiment à chaque fois un putain de Just Frame. Parce que je peux sauter, merci. De quoi? Voilà, je veux dire, c'est là où on reconnaît les vrais. Ah. Oh là là! Insupportable. Évidemment, il n'y a rien ici. Ça va durer encore longtemps là parce que j'ai l'impression qu'on essaye de me piquer mes vies. Non, la tille est presque, ça doit être la dernière phase. Ah oui, ça va être chiant. Oh, j'ai l'impression qu'elle va être chiante. Oh là 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 là. Oh putain. Ok, je l'ai. Pourquoi, Oh oui! Oui, non, oui, non. Oh non, là là, oui. Ça a l'air tendu. Oui, non, oui, non. Alors moi, j'ai pas confiance. Ah, c'était tellement la baiserie. Tout recommencer. Ok. Moi, je prends un peu plus la confiance, ce qui n'est généralement pas bien. Prendre la confiance. À mon avis, tu devais repasser par un point en hauteur sur la gauche. Tu penses? Ah oui, tu dashes pas. Ah, fallait faire le dash spé peut-être. Que tu dis? Pour le dernier saut, fallait dash spé. Alors attends, parce que tu m'as mappé le truc n'importe comment. D'accord, c'est rond sur dash et ensuite il y a le saut là. Imagine que tu es Zost à Super Metroid. Oh là, si je pouvais être aussi skillé que Zost. Tu te doutes bien que je ferais pas le console mania avec un skill de moule. Splash. Non. Oh. Et voilà, dash P. J'y suis. La ventouse, me dit-on. Non. Ok. Lui, je l'ai touché. J'ai comme l'impression... Ah, on a plusieurs saveurs. D'être sous pression. Il nous a fait un sandwich de dinde et un sandwich de halouf. Ah, gagner pour perdre. Telle est ma devise. C'est dur, j'ai vraiment l'impression que les diagonales ne marchent pas en fait. Je pense qu'il va falloir que je recouvre... Ah, mais y a pas de diagonale dans le jeu. D'accord. C'est interdit ça. Interdit par la loi. Ah, une petite phase de glissade. Jolie. Mais est-ce que je peux descendre là? Mais oui, mais n'importe où. Oh, moi j'aurais pris à droite. T'es sérieux? Bah, c'était le chemin chiant à avoir. À quoi que tu pouvais remonter par ventouse. Ouais. À quoi que je suis pas sûr. Essaye de mettre une ventouse là dans ce couloir, je pense qu'il est trop étroit. Ah si, ça marche. Okay. J'ai pas envie de perdre une vie pour rien. Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Moi je dis à droite, c'était le chemin des vrais, fallait juste faire un just frame au dernier moment. Là? Le trou de droite. T'y vas et tu fais un just frame. Moi je suis sûr que c'est la mort. Je suis sûr que c'est la mort. Moi je pense qu'il y a un just frame à caler et que c'est un shortcut. Mais fais pas le fou. Si t'y crois pas, fais pas le fou. Les conseils de Mister MV, toujours. Non, je vais passer par là, MV. C'est pas que je t'en veux pas et que je te fais pas confiance, mais j'ai l'impression que t'essayes de me baiser. Mais non, je pense qu'il y a de souvenirs en fait. Parce que là, tu te tapes à l'infini. Je prends le dommage. Et l'autre, je crois que c'est juste, faut être lucide un moment. Je préfère me taper un patibulaire. Regarde, on va voir, on va voir la confirmation. On va aller vérifier. Trou. Non. Non, c'est là. Non, ah oui, là, c'est la baisse. Je passais pas. Je pense que j'allais tellement crever. Merci, Mister MV, encore. Hein, les conseils. Des conseils éclairés. Non, mais ça aurait été le beau jeu, tu vois. Les gens t'en auraient pas voulu. Parce que dans la vie, t'as le droit de te tromper, mais t'as pas le droit d'hésiter. C'est ça. Il faut rester sur la plateforme du snap. Ah, tu la joues en tout. Oh le poulet. Et ça, c'est le vrai skill. Pourquoi mettre deux poulets de suite? C'est ridicule. Tout simplement. Ah, il est peut-être random le drop. Ok, je m'en fous. Il y a le boss de fin. C'est du sérieux, c'est le vrai boss de fin. Alors, de mémoire, c'est Bubblegum qu'il faut le toucher. Ouais. Salut, patibulaire. Allez, mesdames et messieurs, j'y suis. Aïe! Moi la paix. Voilà, je l'ai vraiment touché, par contre il m'a retiré de la vie. Ok, il y a des patibulaires partout. Touché. Par contre, pour switcher ventouse, tu veux te barrer. Ah non, c'est bon. Je n'ai plus de quoi? Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Garde tes bulles, fais pas le coup. Non mais.
touchait. Je vais le tuer, je vais le dégommer. Normalement, il y a un infini. Putain, il était aussi gratuit que ça. Il y a un infini. Ah oui, bah oui, mais ta bulle. Ah là là. Mais ta bulle. Faut pas gâcher. Mais ta bulle, putain. Alors, est-ce qu'il repart dans l'invincibilité? Oui. Ah, oh, mais non. C'est dur, c'est pas facile. Plus 12 bulles, fais pas le fou. Non, c'est bon. Là, je l'ai et je peux l'infiniser en haut. Regarde. Ah, normalement. Voilà, là. Voilà. Ça, c'est bon. Ouais, on se fait chier. Donald dit. Non! Aïe! Ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est pas le fou. Mais descends, sale ca merde! Mais oui, mais saute pas! Mais je le vois pas! Mais oui, mais laisse-le. Tu t'en fous, t'attends qu'il descende un jour. Mais je le vois pas! Va sur une autre plateforme, ça va l'obliger à faire le dernier. C'est bon, il est redescendu. Salut! Monte, Patty Pat! Alors maintenant, faut crever, Patty Bullet. Hein. Faut vraiment crever. Il y a un jour, je te jure. Les vrais ils crèvent. Hein. Non, j'ai raté. Ouh, je l'ai eu. Mais meurs. 5 bulles. Mais meurs. Comment c'est bon. Il va redescendre pas. Merde, sac à merde. Le temps que ta phase du skill. Oh là là, le mec a pas le temps. Et voilà. Raté. Tu vas devoir le terminer à l'avant-tout, je crois. C'est bon là. C'est très bon. Oh là là, il me reste plus que 3 bubbles. Mais il était pas plus gratuit que ça, mais va mourir. Va mourir dans ton vomi sans déconner. Et il va jusque là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Oh là 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 là, tu t'es frappé. Oh non, ne fais pas ça, Verdier. Ah, je manque. Ne fais pas ça, Verdier. Ah. Oh là là, il fait des fausses phases. Mais qu'est-ce qu'il me fait? J'ai pas le fou. Descends. Oh là là, mais c'est la garde au dernier moment. Le just frame. Oh. Je l'ai eu. Ah, bravo. Tiens. Le ça, journal fait. Viking. Où est la porte de sortie? Je sais plus s'il faut attendre ou s'il faut se barrer. Ah, lis le journal. Alors, c'est l'ancien journal viking, il révèle la carte qui doit être trempée dans l'eau. Quand cela sera fait, l'endroit du véritable trésor apparaîtra. Let's try dipping in the water. Ah! Et oui, non, c'est pas fini, exact. De quoi? L'île du grand... du trésor du géant... Poulet. Oh là 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 là, on n'y arrivera jamais, je pensais que j'avais battu le jeu, bordel. Il reste encore des trucs. Bah et voilà, évidemment. Ah et c'est là, voilà, je me disais bien, c'est là où il va y avoir les vrais trucs de plateforme crado. Parce que là c'est juste un. Ouais. Musique de angoisse. Mais pili pili mais lui, c'est les mini mini oui. Ah oui, d'accord. Oh, t'as voulu faire le beau. J'en mange du ralouf. Ok. Deuxième tentative. J'ai pas dit qu'on part. Easy. Et je me suis quand même fait toucher. Salut, l'étaz. Je pense que je vais devoir vraiment courir, là. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que je vais devoir courir. Je ne sais pas où je vais, MV. Gars mauvais. Putain, mais réussir à faire tout ça juste pour crever à la fin. Je me vois dans l'obligation de terminer le jeu et prendre tout le mérite. Ah, prends un peu de ralouf et de ralam. Je suis dégoûté. Faut terminer le jeu avant la fin, ça veut rien dire. 3 heures pour faire quoi que shot, mais... On y arrive. Non. Bah quel sac Oui. Laissons Mister MV faire. Voyons voir si avec 3 villes s'en sort mieux que moi. Il n'a toujours pas pu voir la fin d'un niveau donc. En fait, faut que je sois 100% honnête avec vous. Je voyais Mister MV en détresse avec son sandwich. Du coup je lui ai dit allez. Alors j'avais le visuel, mais j'ai décidé de sauter au lieu de tomber. Mais je pense qu'on va se passer la manette quelques fois lors de ce dernier stage si on s'acquise bien.
le sens bien comme ça. Tu sais, moi je te donne ta chance pour briller. Je voulais juste briller. Mais si tu avais été observateur, tu aurais remarqué le saut de fou que j'ai fait ici. Mais j'ai fait le même que toi. Allez, MV, la confiance. Voilà, là t'es plus loin que moi, mais tu sais pas où aller, mais oh, c'est très beau pif. C'était tendre. Très beau pif. J'ai confiance en toi, MV, tu retrouves tes réflexes de sport. Ah oui, alors là, il y a une baiserie absolue. J'ai peur. Faut faire les choix lucides. 1, 2, on tombe. Et là, faut faire un choix. À droite. Alors on se dit, il y a le fric, je vais à droite. Pognon égale mort. Ou fric égale décès. On court où tu... Bouh. J'ai laissé appuyer vers la droite, il a... T'as sauté, mais oui, mais t'as sauté. Faut pas sauter. Bah non, faut pas sauter pour marcher dessus. Oh là là, la baiserie. Moi, je saute pour jouer safe, et au final, quand tu t'essayes de jouer safe, c'est la baiserie. Ah, je pense qu'on va se passer à manette. Moi, je le sens, tu vois. Vraiment? C'est ta dernière vie, mais après, je suis en train d'emmagasiner le... Attends, magazine l'info. Moi, l'info, ouais, ouais. Moi, je suis l'ouvreur, tu vois. Ah, la musique est stylée, hein. Oui, la musique est cool. Ah, le jeu, il est vraiment bien, en fait, hein. Non, ok, ok. Je laisse tomber, lucide. Ok. Stylé ce serpent. Mais là donc toi, tu dis à droite. Bon, alors, voilà, ouais, si je laisse appuyer, il n'y aura pas d'embrouille. Je laisse appuyer sur dash, voilà. Ouais, c'est en ça. En fait, c'était gratuit. C'est ça, ouais. Il n'y a rien à faire. Voilà, impeccable. Là, c'est moins drôle. Ah, oh là là, oui, c'est quoi le délire? Et ça s'enflamme. J'en étais sûr. On ne sait pas pourquoi, mais ça s'enflamme. Là, je dois bien avouer que je reconnais ton skill de platformer boy. Ah. Là, ça fait plaisir, là, tu me fais plaisir, MV. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux devoir aller au bout. Ah, mais oui, bon, là, mais quelle baiserie. Alors, est-ce que ça... Ah oui, voilà, la dernière, elle a exprès pour la feinte. Tu prends aussi les invocables. Oh, c'est pas mon truc, ça, c'est pas mon match-up, c'est ma bagarre. Oh, le poulet. Boss de fin. Il a la garde, faut juste sauter par-dessus. Il a la garde, faut juste sauter. Il a tellement la garde, oui. Aussi à la garde. Bien joué. Ah bah si, dans le bouclier. Ça fonctionne. Ouah, ça... Oh non mais non, agression. Trop d'agressivité dans ces statues de pierre canard. Oh. Mais oui, c'est vrai, il y a un dernier boss, c'est... Il y a un totem. C'est le dernier boss pour récupérer le trésor. Oui, oui. Je me souviens du speedrun maintenant. Il y a pas de Dracula Duck dans le coin, je sais plus. Non, je pense pas que c'est le jeu... Il y a pas de boss rush dans le jeu, il me semble. Non, Oh, c'est lointain, je sais plus. Ah, mais du coup, j'ai qu'une vie, quoi. Je vais devoir faire le boss en mode 0 vital. Tu peux le faire. Glisse. Non ! Je voulais tracer au cas, voilà, où il y avait ça. Mais il y avait ça. C'est qui a fini Pat Muller? C'est moi. C'est quel homme? Bah oui, non, mais écoutez. Oh merde. Oh là, ça, c'est pas facile. Ah oui ! Lucide ! Ah, j'ai mal pour toi, Mister MV. Oh, c'est pas une mort directe. J'ai vraiment mal pour toi. Tout va bien se passer. Dernier stage de Quackshot pour arnaquer le beau jeu. Pour devenir enfin ce que Canard VC mérite de devenir. Ah bah oui, c'est les aventures de Canard VC quand même. MV, il y a un moment, où tu ne peux pas. Vous ne pouvez refaire deux fois la même erreur. Mais non, mais vous ne pouvez, c'était pas la même erreur. C'est bien un saut de l'avant-tousse que je dois faire, sinon c'est impossible. Non, bien sûr que si. Non, c'est impossible si tu ne sautes pas de l'avant-tousse. Regarde, il te met... Oui, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible sans utiliser avant tout, regardez, je te le certifie. Ok. Ça c'est bien. Mais ça c'est... Ah. C'est bon. Ah bah au moins on se fera pas baiser parce que c'est là. C'est là que ça se passe. Au moins t'as vu le... T'as bougé le scrolling parce que c'est vrai que... Enfin c'est le problème de la résolution des jeux... Des jeux rétro. C'est que souvent on n'a pas beaucoup de recul de la caméra pour avoir des sprites qui se respectent. Et du coup bah ça gêne pas mal à... Le pénitent le passe. Mais je me suis pris pour Indiana Jones. Et dans Indiana Jones, le pénitent le passe. Il jette juste le sable. Mais qu'est-ce t'as fait? Bah le pénitent le passe. Oh MV, c'est chiant. Ah bah voilà, bah comme ça, on va voir. Oh MV, c'est chiant. Ces putains de serpents, ma gueule, oh, ok. Bon. Allez, ça ne sert à rien d'avoir du skill. Essayons d'attaquer. Moi je dis c'était bon, c'était le beau jeu. Ok.
Ça c'est GG. Ça c'est GG aussi. Oui, le pénitent le passe, c'est avant, mais c'est pas grave. Non, je me suis encore trompé de bouton pour sauter et pourtant j'ai utilisé le bon. Vous comprenez quelque chose à cette phrase? Ah, j'avoue que je peux manger mon sandwich. T'en as marre, Mister MV. Tu as manqué encore une fois de lucidité et c'est sur moi que ça retombe. Ouais, mais non, maintenant tu sais que ça c'est gratuit. Oui, évidemment, je sais que tout est gratuit, donc pour moi c'est plus simple. Mais il y a quand même. Ouais, fais-nous rêver. Non, mais le problème c'est la maladie des mains. Parce que toi tu ne connais peut-être pas ça, mais moi, je suis un vrai blanc. Attention, alors là, c'est pas des conneries, hein. Faut pas louper un seul plink. Oh le plink! Je suis désolé de vous infliger ça, mais j'ai glissé, chef. Voilà, je préfère faire ça, hein, finalement, take damage to... To save time, bien ouais, sûr. Tout take damage, je sais pas. Mais j'ai du mal avec ta... Tu devrais prendre le stuff. J'ai vraiment du mal avec ta config. Oh, des conneries. Je t'assure, c'est ta config, elle est faisandée. C'est quand même mieux que de dasher avec select et sauter avec triangle. S'il vous plaît, respectez mon ancienne config. Mister MV, vous êtes bien trop médisant. D'ailleurs, tu faisais quoi, toi, tes 10 ans? Ah bah, Alundra, c'est sur... PlayStation. C'est sur PlayStation, mon cher Corbeau. Ah, je vous prie croire que le console mania PlayStation, il est pas près d'arriver, oui. Hein. Mais Landstalker, qui est le... comment dire, l'ancêtre spirituel, est sur Mega Drive, par contre. Excellent jeu, Landstalker. Qui rend complètement fou malade à cause encore une fois de perspectives gérées par un mec sous coke et acide, mais sinon très très bon jeu. Ok, ça c'est sympa, au moins on récupère un peu de stuff. Ok, il met la garde en haut, je tire en bas, ça c'est les bases du versus fighting. Alors, parce que je ferai Landstalker, non, parce que à partir de la semaine prochaine, c'est Sapin qui prend le relais. Comment ça se passe? Sapin, il prend le relais Forever ou... Sapin prend le relais Forever. Ah, il est chaud. Sapin sera Monsieur Console Mania, tout à fait. Nous ne faisons que lancer le concept afin que tout le monde ait conscience que Console Mania, ça déchire. Et qu'il faut regarder ça pendant sa pause déj. Très bien. Mais si on veut regarder Alex Click et l'appeler... Non, on peut appeler Alex Click tout en regardant Console Mania. Disons que ça n'est pas les mêmes types de jeux. Moi j'ai totalement appelé Alex Click. Je l'ai piégé, canular. Ok. J'ai perdu une petite barre de vie. C'est pas très grave. Et donc là tu me dis. Si on est lucide. Easy. Je te dis, sans ventouse c'est mort, fais pas le fou. Donc ventouse. Parfait, je suis les conseils. Bon, ça, ça fait mal. Attention, il y a carotte. Il y a carotte quintaine. Zbla! Et je me fais baiser le bardou, le bardou, le bardou. Relève-toi au moment opportun. Faute. Ah, j'ai du mal avec le plink. Voilà. Alors n'oublie pas, le pénitent le passe. Ok. Là... Faut attendre. Mais faut... le problème en fait c'est que tu dois initier le saut, ça n'apparaît que quand tu es prêt. Mais c'est pas possible alors. Mais si, tu es en l'air, tu avances vers la droite et elle va apparaître. Et là tu fais bien attention d'atterrir dessus. Ah non, il faut être solide dans son bénouze, hein. Mais... Ah par contre faut se décider. Non mais je ne sais pas, je ne sais pas. Improvise. Suis ton instinct, crois en l'âme des cartes. Écoutez, je pense que c'est le moment d'initier le second joker. Quoi? C'est quoi le joker? La safe state? La safe state. Nous sommes au dernier stage, le joker safe state. Lucide. Mais attends. On a des jokers, c'est l'intérêt de notre console. Mais mania, on a les jokers. Combien de fois tu vas farmer ta safe state? Tu peux la farmer à l'infini. C'est-à-dire que moi, je l'ai dans le fion. Bah, si je perds pas à partir de là, oui. Cette safe tête est un point de safe-itude. Oui, mais si tu la charges à l'infini, tu feras jamais game over. Bah si, il suffit que je crève. Si je crève, je te passe. Mais tu recommenceras la safe tête, d'accord? Ah, d'accord. Ok, je comprends. Tu vois? Oui. Mais ça, c'est un point... Si tu veux, c'est un continu qu'on pose là. D'accord. Tu comprends? Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chat? Lucidité, la safe tête. Bah, les fiottes, mais c'est le but du jeu!
Le but du jeu, c'est pas de super player, les mecs. Faut terminer tous les jeux. Save state. Joker save state. Ah, il faut que je trouve une musique pour les jokers. Je pensais à un tadadadin, tu sais, de qui veut gagner. Ou à l'ouverture de Koum Koum Mania de Félicien. C'est quoi ça, c'est Koum Koum Mania? Koum Koum Mania. Koum Koum Mania. Tu connais pas Félicien? Love Story 2. Le plus grand casting de l'univers. C'est n'importe quoi. Mais ouais. Save state. C'est parti. Ah, on a du coca. Frédéric Lu, formidable. Housewife. Mais voilà, c'est impossible. Ah mais attends, tu chat. Ah bah oui. Ah bah donc tu feras jamais Game Over. S'il vous plaît. Mais en plus tu recommençais là, il est... Ah oui, c'est pour le coup. Mais ma save state n'a pas fonctionné. Non mais, arrête de faire le con. Non, ma save state n'a pas fonctionné, je t'assure. Non, alors, F5, Error Saving State. Ah bah tu dois les sauver dans un endroit qui n'existe pas. Aïe. Bah oui, non mais alors si le Joker save state n'est pas consommé. Mais de toute façon, le save state c'est pour le continu et tu recommences là, donc c'est pas grave, c'est parfait. Bah pourtant, non. Oh, ça m'emmerde. Save files, state files. Bah, quick save, bon, pourtant. Kega Fusion. Mais on est bon. Pourquoi il en veut pas? Il veut pas de ma quick save. Ce n'est pas une triche, ce sont les jokers du Console Mania. D'ailleurs, tu as aussi toi-même avoué dans The Immortal avoir utilisé une save state. Ah bah, c'était mon joker. C'était ton joker. Il ne veut pas. Ah, ça va être problématique. Écoutez, essaye de un autre dossier peut-être. Ouais. Pas sur le SSD. Attends. Non mais c'est bien de le faire maintenant. C'est vrai. Pendant qu'on est dans les balbutiements. Nous bêta testons. Alors hop. Ah mais attends, c'était. Oui bah oui, mais d'accord. Bon, D. Non, cadeau pour les rushs. Non mais dossier. Ne montre pas tous mes. Mais c'est pas grave. Tous mes dossiers sales. Ma bite est un volcan. Endiablé. Safe states. Voilà. Comme ça, c'est clair. Ouvrir. Enregistrer. Et là, miracle. F5. Faute. Je ne comprends pas. Je vais te dire, moi, un truc. J'ai ma safe state classique. On va utiliser plutôt ça. Voilà, comme ceci, tu vois. Sans ma bite est un volcan, sans toutes ces conneries de Mr. MV. On va dans Console Mania. Ah bah oui. Et là, je ne sais plus. Mais je vais quand même taper. Bleh. Et là, ça marche. C'est nul. Ok, donc là, si j'ai bien compris, c'est ça comme ça. Mais d'habitude, F5, F8, ça marche zéro embrouille. Ça ne marche pas. Load state. Oh là là, l'émulateur qui bug. Ah bah tout s'explique. Non, cet émulateur est au bout du slip. Non. Load state as. Voilà. Là, normalement, ça fonctionne. Ah oui, mais attends, c'est la baiserie absolue. Parce qu'il reste qu'une vie, du coup. Alors moi, quand je reprends la manette, j'ai une vie, quoi. Et en plus, c'est toi qui rejoues. Bon, je reviens avec ce joker a particulièrement été mal utilisé. Mais promis, si jamais je repère, tu peux loader la state là. Et c'est à toi de jouer. Mais là t'as eu game over. Mais on doit faire tout le jeu avec une vie. Oui, mais là t'as eu game over donc. Bon vas-y. C'était pour tester. Je ne sais plus, Mister. Bah là faut y aller, pas le temps, faut y aller. On va sauter. Avec un dash, voilà. Le beau jeu, le beau geste. Le pénitent le passe. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mais c'est gratuit, quoi. Et voilà, mon gars. Cette safe state n'a servi à rien, on est d'accord. Ah merde, il y a un boss, ah, là. Ah, le voilà, le chevalier fou. Il y a un boss. Comment je le tue? Popcorn. Ah, si t'es un vrai, tu le bats haut, à l'avant-tour. À coup de popcorn. Et maintenant, je le bubble. Parfait, infini. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'avais pas souvenir qu'il se... Ah, merde. Il a bugué. Il a bugué sur la vie de Maras, il a bugué.
T'as fait sortir l'épée, tu la stun au bon moment. Te rapproche plus, te rapproche plus, il est bugué. J'ai bugué le boss de fin. Te rapproche plus, qu'on me dit. Ah, tu t'en fous, il est bugué. J'ai bugué le boss de fin. C'est la théo, c'est la théo. Ah, ça y est, le voici. Bien plus performant. Oh là là. Splat. Lucide. Il me reste plus que. Lucide, c'est bon. Je vais le signer. J'ai peur. Console ma bite. Ah, je suis mort. Non, là c'est le décès. Le boss de fin m'a tué, j'avais vraiment bugué. C'est encore toi qui vas avoir tous les mérites. Donc là tu as le droit d'utiliser la save state, mon gars. Ouais. Bien entendu. Ah, mais j'ai qu'une vie. Oui, bien sûr. Mais ça offre un peu de challenge sur la save state. Bon, par contre, si le voilà le game bug à chaque fois, c'est chiant. Ah, t'es en train de sauver là ? Non. Annulé. Je veux pas te faire passer. Je veux. L'autre, Shift F8 sinon. Oh là là, mais. Shift, fais-nous un Shift F8. Je vais faire un Shift F8. Parfait. C'est parti. Non, mais c'est la baiserie ! À toi, mon petit. Mais quelle baiserie absolue ! Toi, t'as fait ! Non, mais tu peux le faire. Ta farm ! Non, mais tu peux le faire, tu m'as vu. Donc là, encore un. Là, ça va être en bas. Voilà, ça redevient normal en haut. Parfait. Et là, c'est normal, jusqu'au bout, c'est normal, t'en fais pas, il n'y a pas de piège. Seulement, cette dernière plateforme, il faut sauter loin. Voilà, à toi le boss de fin, MV. Moi, je l'aurais pas fait avec ça, personnellement. Non, il... non. Voilà. Popcorn-le. Oui, d'accord, c'est cette plateforme, d'accord. Oh, je vais me faire baiser direct. Zéro en bruit. Ah ouais, mais donc il restait bien longtemps. C'est vraiment gratuit, hein. Ça ne fonctionne jamais. C'est vache. Pourquoi il a pas sauté? Bon. Très bien. Non, mais j'analyse. Mais on peut pas le battre. C'est pas possible qu'on ne puisse pas le battre avec la ventouse. C'est ça que je me dis. Parce que si t'arrives et que t'as pas d'armes, tu peux pas être condamné. Je ne sais pas. Moi, je pense que si, hein. Je pense que le jeu peut te condamner. Je pense que c'est un des principes du jeu, hein. Réussir à te condamner. Bon, refaisons bugger le game. C'est parti. Ah. Ça a whiffé. On peut quand même toucher, ça me plaît pas. Mais tire! Le mapping de l'angoisse. Ah oui, c'est ça que j'ai mon excuse de sac parfaite. Je viens de prendre des actifs, je suis malade. Imbloquable. Ah mais c'est la bubule quoi, la bubule qui fait le match. Ah, faut jamais lui viser la tête. C'est moi je visais la tête et en fait tu le mets dans le gras du bide. Ouais bah c'est seulement quand il lance l'épée que ça fonctionne. Mais je me demande si la bulle certes le paralyse, mais est-ce qu'elle fait du dommage? Aïe, ça fait mal ça. Je pense que la bulle fait du dommage, ouais. Je pense juste qu'il faut bien timer pour l'infiniser. C'est-à-dire pas du tout comme ça. Ouais, d'accord, en fait, c'est cool. Ah, c'est... je sais pas. Je trouve pas ça sympathique, quand même. Oh là là, mais fous-moi la paix. C'est cool, quoi. Tu lui carottes le lancer d'épée, tu te remets au milieu, et la phase est serrée une boucle. Mais je me fais quand même toucher, quel sac à merde! Bon, après, il me reste plus que 3 bulles. Ok. Allez, balance ton épée. Balance ton épée, balance! Balance, 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 toi. Je vais me faire toucher. Je vais me faire non, toucher là! Tout mais pas là! Au centre! Au centre, ça tombe plus. Je pense que tu peux le faire, MV. Shift F8. Je pense que tu peux le faire. Ah, finalement, cette safe state a été assez lucide. Et on n'a pas eu à utiliser GameFAQs, on est bien. Ça me plaît guère. T'es tellement juste. T'es tellement juste. Je me suis pas fait caca dessus, c'est pas vrai. C'est le jeu de la vie. Tu peux l'avoir. Attends juste que son épée soit balancée. Mais vraiment, enfin... tire-lui dessus, tire-lui dessus, tire-lui dessus. Dans la tête.
en... Ah. Voilà. Là, tu l'as eu. Et là, tu peux vraiment l'infiniser avec, avec le tir. Non, mais il va falloir que tu utilises des armes. Ça lui fait beaucoup plus mal parce que là, tu vas passer des temps. Vraiment, un coup de popcorn, ça va le dérailler. Oh non, c'est vache. Mets lui un coup de popcorn, sans déconner. Je vais être sûr de le toucher. Je vais même essayer le corps à corps au popcorn. Voir si on peut multi-hit. Je crois pas du tout. C'est pas si dur, mais... Voilà, bam. Dans sa gueule. Voilà, et là, tu peux le traverser. Il est inoffensif quand il est comme ça. Et là, tu en remets un deuxième, là, bam. Ah, tu l'as laissé récupérer son arme. J'ai pas eu quel temps. Et en fait, si t'as le parfait timing, en fait, il sort jamais du hitstone. Ça, ah, c'est dur à éviter. Ouais, il y en a qui rebondissent, il y en a qui rebondissent pas. Passe de l'autre côté sans sauter. Tu peux le traverser hein, quand il brille. Ah bah, du coup, tu ne peux pas l'infiniser quand c'est comme ça. Store MV. Voilà, ça va te tomber sur la gueule quand même. Reste là et tire. Voilà, reste de côté de sa gueule. Faut vraiment que tu tailles le timing parfait pour infiniser non, avec les bulles. Le truc c'est que c'est RNG les trucs qui tombent sur ta tronche tu vois. Mais ouais mais je voulais qu'il tombe voilà comme as. Il m'a baisé. Et maintenant là tu attends 3, 4, 5 tirs. Parfait. Non et là faut plus s'éloigner parce qu'après c'est terrible. C'est terrible Mister MV, c'est terrible. Ouf. Tu peux le shooter depuis loin. Oui non mais je voulais mais pas reste à côté de lui. Je voulais pas me prendre les pierres sur le saut. Laisse moi faire. Mais tu ne l'infinisses pas alors que tu peux moukouminiser les hits. Tu me rends fou, Mister MV. Oh voilà. Là là. Je voulais lui péter dessus. Je voulais insérer sa tête dans mon fion. J'ai essayé de déclencher un glitch. Non, mais quand même, c'était réglo. Je ne sais pas quoi te dire, Mister MV, mais. Je trouve que. J'ai essayé de créer un double hit, un glitch où si tu te touches. Si tu lui mets son fion dans sa tête dans ton fion. Au moment où il va récupérer son épée, ça fait un insta-kill. Mais ça, très peu de gens l'utilisent. Ouais, je dois bien avouer, je me demande vraiment pourquoi, parce que ça a l'air tellement efficace. Envoie-moi ta bite. Merci. Toujours ces putains de tirs de merde. Ah bah non, alors là, Verdi, après m'avoir donné tant de conseils, tu ne peux pas être gratuit comme ça. Ouais, j'avoue. Les gens vont être choqués, les gens ne comprendront pas. Et tire-moi ta sauvegarde. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois... Je me fais avoir par la manip à la con. Ok, d'accord, je l'ai. Oh, il t'a fait une phase. Je Et sens voilà. que ça va mal se terminer. Je sens aussi que ça va très mal se terminer. Là, ce 1 PV, je n'y ai pas confiance. Ah, mais je sais. Je viens de griller un peu. Non, c'est impossible d'éviter là-dessus. Je suis très très mal parti. Allez, en exclusivité, je termine Quackshot. C'est parti. Je vais mourir là. Mister MV, c'est pour toi. Oh putain! Je suis pris le plafond, hein, j'ai cru à la baiserie. Je sais pas pourquoi je suis pas serein, mais je suis pas serein. Parce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on fait exprès. En fait, j'ai cru que le saut du dash était plutôt. Non, mais je me suis mis une pression de fou. Ça, c'est la pression du public. Je suis pas habitué à streamer avec beaucoup de gens. Donc voilà, je voudrais m'excuser. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de se produire en public. Non, mais regardez bien. J'achète du temps. J'achète du temps, c'est très simple. Verdier, une fois de plus, va me donner des indices. J'inverse la tendance. C'est lui qui me donne les indices et c'est moi qui termine. Aïe! D'accord, ok, ça commence ah très oui, très voilà, mal. Direct. Comment, c'est quoi tirer, c'est quoi sauter au fait dans le jeu? Ah, je n'arrive pas. Tire, bordel! Oh là là. Terrible. Hashtag manastique, quoi. Fous-moi la paix, toi, avec ton sale truc. Mais l'épée, tu vas te la prendre au tour, hein. Ouais. Pas le fou. Bah, le truc, c'est que j'ai raté le timing, donc forcément, j'ai mal. Mais ton timing, tu pouvais le garder, mais fallait passer derrière. Boîte matinale, mais. J'ai mal. Oh, t'es un ouf. Mais tu sais, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. 1, 2, 3. D'accord, ok. La merde. Non, ouais, l'épée revient quand même. Ah, je suis mort. Je suis juste décédé. Mais non. Complètement décédé. Voilà. En creusup. C'est tellement de la RNZ. Safe state. Je te laisse ta dernière chance. Donc là, je décide évidemment si je meurs exprès ou pas. C'est entre mes mains, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai envie d'avoir des indices une fois de plus ou pas?
te laisse la dernière chance quand même, V, parce que il faut quand même que tu brilles. Moi, j'ai rien à prouver si tu veux en tant que platformer, mais toi, t'as quand même une réputation. Je crois qu'on a, pris la pire safe state qui soit en fait. Ça serait plus simple de recommencer tout le niveau. Mais non. Ah, la ventouse, mon gars. Oh, j'y vais à la ventouse, j'ai plus le temps. Je me garde le popcorn quand ça sent bon. Ok, mid bar. Je vois où tu vas en venir. Je vois où tu vas en venir, Mister MV. Je vois. Il y a une technique, il y a un plink. T'as réussi à le toucher 3 fois quand même. Hein. J'ai jamais aussi bien joué contre lui que le premier coup. Ah oui, tu peux lui rester sur sa gueule là. Ah, c'est malin ça. C'est malin. Ça va peut-être prendre des plombes, mais c'est malin. Mister MV, tu es là. Mister MV, tu as trouvé. Voilà, peu importe. Peu importe, peu importe. Voilà, c'est bien. Fais le bugger. Spam le. Non, ça va revenir. Ouais, il y a quand même une animation. Enfin, un moment d'invincibilité où l'animation reprend. Ça fait pas de DPS aussi ton truc, mais c'est lucide. Voilà, et là tu peux lui mettre devant sa gueule et le rocher ne tombe jamais sur sa tronche. Oh là là, ce petit saut, tu me fais rêver. Tu me fais rêver, Mister MV. Ah. Tu as compris la martingale, je pense. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout de Quackshot. Hein. Je vais préparer le raffle pour le prochain ça jeu. Va chier. Préparez-vous pour la tombola. Hein. Voilà, Mister MV, à qui je laisse tout le mérite alors que j'ai fait tout le jeu. C'est ça qui est bon. Oh ah merde, j'y ai pas cru, j'aurais dû y aller. C'était sans compter sur... Je pense il a bien rebondi, j'aurais dû croquer. Enfin, manque de croyance. Espérons qu'il faut pas 25 coups, mais j'ai un doute. Je vais passer au popcorn à la prochaine phase. Ah, je pense que ça va pas assez... Mais tu peux encore lui retirer dessus. Non, c'est 3. Tu l'as eu, NV. Oh, la gratuité d'un boss. Finalement, quelqu'un qui mérite le trésor. Oh mon dieu, c'est juste une statue en pierre de merde d'une princesse canard. C'est de la merde. Eh oui, c'est le bad ending, mais pas vraiment. Donald, qu'il est beau de te revoir. Mais où est mon cadeau? Car je suis vénal. Eh oui, mais voilà, c'est le grand trésor du roi Garizia. Ah, il est pas content. Ça, c'est mon cadeau. C'est de la merde en boîte. Mais c'est les gosses, on a fait le tour du monde, on a perdu 3 fois. Femme vénal. On a dû utiliser 2 jokers. Paf. Mon lieu, un pendentif en or et en joyaux, remercie Donald. Le plus gros joyau de l'univers. Donald, Daisy donne des ailes. C'est mieux que Red Bull. Ah, Estafrol, ah, c'est magnifique. GG, félicitations, hein, Mister MV. Incroyable. Très beau run, heureusement que t'étais là. Teamwork. Heureusement que t'étais là, sans toi ça allait être difficile. Et on y est. GG. Quackshot. Terminé. C'est ça, là. Ah, cette femme vénale, cette... Et 2-3, 3 sur 769, je pense qu'on est lucide. J'en perds mes mots. Je pense qu'on est très lucide. Un grand chemin de parcouru, dans 400 ans, je pense qu'on peut y aller. Je lance le raffle. Ah bah c'est très bien, on le termine pile poil quand il faut en plus. On ouvrira avec soleil la prochaine fois. Alors est-ce que le raffle est lancé? Je ne crois pas. Peut-être le raffle a merdé. Mais il dit qu'il fait la tombola. Est-ce que le raffle marche? Remonte un peu. Est-ce qu'il s'est manifesté? Ça me dit truc. J'ai l'impression que ce raffle est en train de ne pas marcher. Parce que j'ai joint le mauvais bot. Alors attendez. La lucidité. Ça joint. Bon, je vais voir, ça marche. Hein, normalement, ça marche. Tu penses? Ah, salut Bernard Manet, je l'ai capté parmi tous ces joints. C'est la fin! Je vous ai masqué du coup cette petite fin de l'angoisse. La faute. Ouais, non, faut pas. Join, si ça ne marche pas, rassurez-vous. Tout est calculé. Allez-y, participez à la tombola. La tombola vient d'être créée, ok, c'est parfait, normalement ça marche. Normalement ça marche. Allez-y, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous pouvez participer à la tombola. 2400, merci à tous d'être là. Pour regarder 2 sacs à merde, utiliser 2 jokers sur Quackshot. Qu'il était beau le jeu, quand même.
Je vous rappelle que le prochain jeu, c'est donc Soleil, et que c'est un jeu qui a été sélectionné par Andros. Vous avez la possibilité de choisir le prochain jeu. Il nous reste plus que 2 minutes, donc on fait très très vite demain. Il y aura 2 heures de stream de Console Mania. Oui. Et c'est vendredi qu'il y aura 4 heures. D'accord. Voilà. Et c'est Mister MV et moi-même qui tenterons donc de terminer Soleil. Et... Ah oui, mais faute, parce que jeudi je voulais venir bah demain je commence et toi tu reprendras Soleil où j'en étais, je pense que tu seras content jeudi. Ah oui. À moins que je one shot Soleil. Mais très heureux. J'ai pas envie de me spoiler parce que même si Evil Duck est sur la chaîne Speedrun et qu'il a le record du monde sur le jeu, Soleil je m'en suis foutu un peu, j'avoue, donc je suis pas au courant. J'ai quand même découvert le jeu majoritairement sur le stream. Bah ça c'est plutôt bien. Oui, pour une fois je serais bien paumé. Mais je pense que c'est faisable. Ah, en une session de 2 heures, c'est pas possible. En 3-4 sessions je pense, le jeu il est pas infini. Il est pas infini. C'est quand même pas aussi long que Link to the Past, non? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais... Je connais pas bien. En plus, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont vu jouer à Lundra, je suis particulièrement nul en puzzle. J'avoue. Dès qu'il y a un puzzle dans un jeu d'aventure, c'est l'angoisse. Alors que moi je suis particulièrement doué pour ça. Moi je suis très mauvais en puzzle. Complétons-nous. Des piliers de glace dans l'eau. Deux cerveaux, mieux le cas. Deux sessions de 2 heures. Je stoppe le raffle, c'est parti. End. Qui va être sélectionné? J'espère que ça a fonctionné. Oui, bah c'est Ibuki qui a gagné la tombola. Full Metal. Sur 2000 participants, c'est Ibuki. Ibuki. Ça veut rien dire du tout. Ibuki, GG. Félicitations à toi. Tu as gagné la tombola et tu veux peut-être le zizi de Mister M. Alors, tombola gagnée. Je rappelle que juste après, normalement, s'il est là et qu'il n'a pas encore posé un lapin à la boîte, c'est Tech sur la chaîne Retro 1D qui enchaîne avec Tech Flash. Ibuki, il t'appartient de choisir le prochain jeu de ce Console Mania. Fais-nous rêver, exactement. Je rappelle que l'intégralité du Console Mania sera diffusée dimanche à partir de midi. D'accord. Vous aurez toutes les journées en boucle qui vont se passer. Dimanche. Et ça sera comme ça tous les jours. Donc tous les jours vous aurez de midi à 14h, de midi à 16h Console Mania. Et Ibuki, bah je t'invite à me donner le jeu que tu veux. Je te rappelle bien entendu le Google Doc Est-ce qu'il sait comment avec la liste des jeux. Bah c'est une autre fenêtre où Ibuki fait pas le con. Je veux ton zizi Diano One. Alors tu dois avoir un onglet Ibuki. En message personnel, Ibuki. T'as MP, tu vois, tu passes en MP, Ibuki. Sur les onglets. On doit déjà rendre l'antenne, Ibuki, vite. Vite, Ibuki. Ah, Ibuki, galère. Je veux pas de mon zizi, je veux tout le corps, mais sur MV. Ah ouais, mais Ibuki, c'est le premier des stalkers de Gaming Live. Du coup, ah voilà. S'il te plaît, Ibuki, choisis-nous un jeu. Ah. Peu importe le jeu, de toute façon, c'est Monsieur Sapin qui va se le taper. Attendez, je perds patience. Le jeu, bordel! Batman Returns! Oh là, on va. Tu vas la chier, ta chiasse! Voilà! Voilà, parce que y a des temps à tenir, voilà, enfin. Je sais pas pour manquer de respect à Ibuki, mais là, y a pas le temps! Donc faut y aller, quoi! Batman Returns! Ce jeu est. Ce jeu est horrible! Horrible! Batman Returns! Ah, je l'avais! Je l'avais à l'époque, je l'avais acheté pas cher, genre 99 francs. Il est immonde, il est extrêmement. Mais moi dur. Aussi, moi aussi, c'est. Eh ben, c'est un des jeux de mon enfance aussi, Batman Returns. Très très dur. Très dur et genre. Ah, ça va être chaud. Ah oui, ça va être pénible. Je me souviens ça va être rien, très, très chaud. Je me souviens juste que c'était infâme. Ça va être vraiment horrible. Eh ben écoutez. Il a une ambiance, là. Bonne ambiance. Top le raffle. Merci à toi, Ibuki. Rendez-vous demain à midi. De midi à 14h. À 14h. 14h. Pour le début de Soleil. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième journée de Console Mania. Tout de suite, c'est Tech. Il est là, un Tech. Hein. Il le fait de chez lui. Ah, il le fait de chez lui. Très bon choix. Parfait. Très bon sur choix. Le channel Retro 1D. Quant moi, à moi. Est-ce que j'ai un stream? Oui, vous me retrouvez dans. Oui, toi, on te retrouve à 16h. Oui. Tu as décalé exceptionnellement, tu fais 16h. Avancé de 2h. C'est le stream du goûter. Exactement. Des gros bisous à tous et rendez-vous demain pour la suite du Console Mania. On est à 3 jeux. 3. On essayera de terminer Soleil.
Et Monsieur Sapin, et bien, se tapera Batman Returns. Ah, quelle joie. Des bisous à tous, et à demain.